Oui. Hop, hop. Et voilà. Hop, tout va un peu plus lentement, hein, avec ce jeu. C'est parti. Hop. Allons réussir cette fois-ci. Alors, est-ce que ce sera la bonne? Est-ce que ce sera pas la bonne? Allez, c'est parti. On y va, hop, ouvre la porte. Donc, on attend que le mec s'approche un peu, on lui ouvre la porte dans la tronche. Est-ce que t'es là ou est-ce qu'on doit rouvrir la porte? Non, c'est pas celle-ci en fait. Ouais, alors, si c'est Ah oui, c'est celle-ci. Mais il la referme. Il est pas Merde! tombé. C'est pourquoi? Attends, attends, il va la refermer. Allez, tu vas Ah tomber, voilà, oui, voilà, il est voilà. tombé. Vas-y. Il y a du mal, hein. Voilà. Ah oui, et on peut prendre la torche. Ça c'est parfait parce que parfois il y a un mec qui arrive de là, parfois pas, hein. Parfois il arrive d'ailleurs, je sais pas trop. Ah, et il y a ça là, c'est cool. Très bien. Mais il arrive d'où le mec? Oui, il tombe du toit ou... Non, s'il pète pas une vitre ou je sais pas parce que on a... tous les cas, il semble pas nous avoir vus actuellement. Je crois que c'est quand tu vas vers Il est là-haut. le fond de la cour là. Donc ça c'est Enculéman numéro 17. Là on va Attends, d'abord d'avance. tuer. Ah oui, mais pourquoi il rallume cette lampe? À quel moment est-ce qu'elle s'allume? C'est un peu débile parce que t'éteins la lampe, finalement t'as quand même ta torche avec toi, mais. Non. Ah voilà. Donc on a largement le temps de se tromper de bouton. Hein. On pourrait. Ah bah en dessous c'est la torche là, c'est notre torche, je reprends la torche. Bon, on va aller voir par là. Y a-t-il des gens ici? Je sais pas. Je ne sais pas. Y a-t-il des gens? Je ne sais pas. Zip! Ah Oh oui, il y a coucou! des gens. Elle est là la vérité. Et eh ben voilà. Et voilà. Et point de contrôle, j'ai ouvert le truc sans faire exprès. Désolé, fallait pas être là. Est-ce que tu drops des trucs? Non, mais là il y a une hache. Ah, c'est pas la bonne. Mais arrête de pas prendre les haches! C'est un peu bizarre qu'ils aient mis des haches comme ça que tu peux pas prendre. Genre, il y a des haches dans le jeu, mais pas toutes quoi. En tout cas, là on pourrait lui tirer dessus, non? C'est pas une grenade? Ah si, si. Ah mais si si. Là. Je sais pas si tu peux les jeter depuis là. Si regarde. Bah ouais, carrément. Hein. Ah, il est libre maintenant. Ça lui fait mal ou pas? Je sais pas. Est-ce qu'il a seulement des points de vie ce mec? J'arrive pas à savoir si on lui fait mal ou pas. Il a zéro animation de j'ai mal. Il court voir tout le monde. Ah, il monte l'échelle. Ok, donc il monte les échelles. On va l'attendre et on va lui le truffer de plomb. Hein. Ah, mais moi je me serais plus loin. Là, il va trouver. Ça ne l'arrête pas le mec. Hein. Ah voilà. Faut lui foutre le feu maintenant peut-être. Non. Non. Oh, il y a un autre. En même temps, j'avais pas d'allumette, je crois. Ah ouais, ah oui, c'est vrai. Oh mazette! Non mais saleté de jeu, mais saleté de jeu. Ouh aïe aïe. Il y a 10 milliards de Il y a du monde là. Mauvais bouton! Cours avec l'autre bouton! Ah c'est pas facile. Aïe 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 aïe. Oui mais il va si vite, mais c'est pas poste hein. Ah là là, il est pas vrai. On est cap. On est cap. Ah mais en fait c'est pour ça parce que j'appuie sur le stick parfois. Sans faire exprès. Et donc parce que genre je monte l'échelle ou je sais pas quoi, et du coup bah... T'as plus sur le stick? Ouais. Et ça fait quoi de plus, le stick? Ça allume la lampe. Ah oui. Bon. Est-ce que il va essayer de monter l'échelle? Bah, pourquoi il monte pas l'échelle? Peut-être qu'il se dit, en haut, y a pas assez de place, on va pas réussir à bien se battre. Ouais, y a pas tort, mais... mais là, du coup, on est tous coincés, là. Ah, il est... Il est loin il là-bas, est là-bas en bas. Ouais, vraiment? Il y a un mec en bas là, ceci dit. Non, mais bon, on va voir. Ah! Oh! Mais pourquoi? Il est où le mec en bas? Il est là le mec en bas. Putain, mais. La visée dans ce jeu. Non! Oh!
tremble. Oh là 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 là, c'est chaud. C'est mal barré. Vite le feu. Oh. Mais ça a pas marché. Ouais. Mais c'est ça, ouais, bien sûr. Mais quel crétin ce bonhomme. Mama. Hey, Spadoff Flexonia is home. Oh, pfff. Ah, t'as foutu le feu. T'as vu, t'as mis le feu. Oui, j'ai mis le feu à ça, mais. Je vois pas trop l'intérêt. Tu peux pousser l'échelle. Non, je crois pas, non. Ah non, c'était la reprendre. Ah oui, non. Pourquoi ils me suivent pas alors qu'ils me suivent sur d'autres échelles? Ça me met dans la merde, ça. Mon plan est vraiment pas du tout parfait, du coup. Bon. Ah, ma commande est partie. Je. Ah! Je reçois World Racing Gamecube samedi. Il essaie de venir, je crois. Je sais pas, j'essaye de le faire venir. Mais non, mais ils veulent pas monter l'échelle. Moi, je pense qu'ils ne peuvent pas monter cette échelle-là. Et pourquoi celle-là précisément? Du coup, là, ils sont. Attention, il y a des gens derrière. Il est en bas, il fait. Eh, hey, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre que de descendre de toute façon? Ah, bah, il était là, il m'attendait. Bon, bah. Super! Bon, cette échelle-là, c'est non. Hein. Donc, cette fois-ci, il nous faut des allumettes, parce que sinon, je peux pas le tuer. Si on le tue avec des allumettes. Ce qui est même pas sûr. Ce qui est pas sûr, ouais, mais... bizarre. Mais le feu a l'air ultra balèze dans ce jeu en même temps. Hein. Ah, tout a l'air d'être avec le feu, ouais. Tout prend très vite feu aussi. Ouais, les choses prennent bien feu. Parfois, c'est bizarre, parce que sur le stream, le chargement est fini avant. Ouais. Ah, pourquoi j'arrive ici, moi? Pourquoi je suis là, moi? Je sais même pas exactement où je suis, d'ailleurs. Il y avait un point où t'avais... Ah, ok. Ah oui, d'accord, j'arrive là. T'as vu un point de... Je sais plus ce que t'avais fait. Mais j'ai plus de torche, par contre. Si, là, ma torche. Ah, ok. Et là, il y a un truc, d'ailleurs. Imaginez un jeu neuf de 2003. Il est encore sous blister, c'est ça? On parle de quel jeu? Enfin, de World Racing sur GameCube. Wouah. Alors ici, il y a une meuf. Il peut pas donner un coup de pied? Il y a pas de meuf. Elle est là derrière. Non, il y a pas de meuf. Oh non. Bah là, il faut... J'ai pas compris. Alors j'ai pas d'allumettes, donc je vais d'abord aller courir sur speedrunner pour récupérer les allumettes là-bas. Puis après, on va... Est-ce que tu crois qu'on peut lui mettre le feu quand il est par terre? Peut-être que c'est ça. Franchement, et ça, on peut pas le prendre, ça, cette espèce de couteau là, il était pas là tout à l'heure d'ailleurs, si. Peut-être pas. Oh, non, tu peux. Donc clairement, c'est lui qu'il faut tuer, on est d'accord, hein. Ouais, il faut prendre sa tronçonneuse, donc oui. Ouais, à 5€ en premium sur Amazon. Oh, ouais, bravo. Est-ce que les grenades c'est une bonne idée ou pas? Je sais, il a tellement parlé de prendre de dégâts que ça, j'ai peur de gâcher des munitions pour rien. Donc là, il avait pas l'air d'avoir très très mal. Hein. Mais ça l'a quand même libéré, donc dans un sens... ouais, je sais pas trop. Si ça peut juste... déjà l'amener jusqu'ici... Hop, maintenant on l'attend avec le flingue. Le problème, c'est qu'il y a d'autres mecs qui vont arriver par derrière ma gueule aussi, non? Oh, c'est possible. Moi, j'attendrai là, ouais. Ah non, mais là, il me tirerait de là. Oh, les sacs. Bon, on va attendre ici. On va lui tirer dessus quand il arrive. On se débrouillera. De toute façon, c'est franchement la merde dans toutes les directions. Ah, il est là, Zuzman. Il faut que j'avance vite. Voilà, l'attaque! Mais il est pas tombé. Par-père. Oh là là! Oh là là! Oh là là! C'est bon. Là. Mais non, y a pas. Y a pas, et c'est pas comme ça. Oh là là. C'est pas comme... Oh là là. L'autre, toi. Razou! Oh là, tu l'as mis une bombe dessus. Est-ce que ça l'a tué? Non, mais c'est pas. Oh il non, a peur de... Il se relève genre... Non, non, non. Mec, c'est vrai. Je ne comprends pas comment il faut le tuer. J'ai déchargé 8 balles sur sa tronche. Et ça l'a pas tué. Comment il faut faire? Est-ce qu'il y a une astuce? Genre, il faut le piéger quelque part, peut-être? Peut-être faut le faire brûler dans du feu. Faut genre qu'il soit... Peut-être si tu l'amènes en bas, il y a peut-être plein de foin, tu mets le feu, rac. Et il prend feu. Peut-être faut mettre le feu à une botte de foin, je sais pas. C'est une astuce dans ce genre.
Un peu obscur, je trouve. Ouais, j'avoue. Plaisir d'enlever le plastique, de voir la boîte et sentir de l'air datant de 2003 avec cette petite odeur spécifique de jeu neuf. Oui, je suis bizarre aussi. Ah oui. Non, mais chacun ses petits plaisirs. Hein. Ah, il y a du... Ah, ouais. Bon, alors ça, on sait. Et si... On va essayer la technique de la torche. Si ça cesse, ça le one-shot. Tente, hein. Moi, je pense pas, mais... Bah, pff, là, de toute façon, ça nous coûte rien de tenter. Mais par contre, attendez. Vas-y, viens. Oh bah... Est-ce que ça le tue ou pas? Non. Mais par contre... ouais. Mais si je le tue, fait pas mal, je sais pas. Mais il est fou! Cet homme est possédé. Allez, c'est... il est par terre. Il est par terre, mais ça change rien, ça. Ouais, il y a un autre mec qui arrive. Oh, oui, oui, oui. Oh, tiens, je voyais ça. Bon, et là? Oh là 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 là, ça, c'est tellement chaud. Oh, vite! Il est dead. Moi, je suis dead. Ah ouais, oh là là. Mais oui, mais là, comment c'est possible? Chaud, c'est chaud, c'est juste chaud. Pas possible, actuellement. Il faudrait que j'aie plus de munitions, je sais pas, mais je peux pas transporter plus que 8 munitions, donc... Ouais, j'avoue, c'est... Bah, c'est fusil à pompe, après arbalète, machin, mais... c'est la torche, plus les 8 munitions du fusil à pompe, plus l'arbalète. Ah, c'est... Sachant que... Ouais, ça m'a l'air vraiment bizarre de difficulté. Ah, lasagna is always very good. It's a good plan. Est-ce que quelqu'un sur le chat a déjà joué au jeu et sait nous expliquer? Est-ce que quelqu'un sait comment tuer ces trucs? Est-ce qu'il y a une astuce qu'on n'a pas compris? Parce que ça m'a l'air trop difficile par rapport au nombre de munitions qu'on peut transporter et à nos capacités en tant que personnage. On n'a pas été là encore, allons voir là, tiens. Explorons un peu pour ne pas aller se taper ce mec qui est insupportable. On a une torche, de toute façon on est invincible. Coucou! Ah, là il y a un piège. Mais qu'est-ce qui déclenche comme piège? Salut mec. Ça va ou bien? Tiens, cadeau. Cadeau de la maison. Ce serait bien si tu pouvais reprendre la torche. Plus, c'est juste un bout de bois avec du feu, quoi, en soi. Bah, techniquement, tu prends une chaise, tu casses un bout, tu l'allumes et voilà, quoi, c'est une torche. Donc ça serait... Ah, merde. Oh là, Zouzouman. On a... Non, attends. Ah si, on a encore des munitions pour ça. Alors... Merde. Allez, dégage. Mets-toi dos à lui et ta colonne vertébrale pètera oh sa chaîne. Quoi, attends. Par contre, c'est des faux conseils, ça. Mets-toi dos à lui. Mais allez, hein, ouvre plus vite, espèce d'abruti, mais... Je pense que ça fige le temps, je pense. Ils ont pas été si... Non, c'est pas poste. Arrête de regarder des... Mais qu'est-ce qu'il est bête, lui. Qu'est-ce qu'il est bête. Qu'est-ce qu'il est... Oh là là. Oh. Tadam! Effet secondaire temporaire. Légèrement la santé maximale à chaque utilisation. Oh là là, mais c'est genre la même meilleure chose du monde. Ah mais y a... Non mais c'est Michel. Il est là Michel, on voit pas. Tu... Je sais pas dans ton angle mort, je crois. Là y'a un truc aussi. J'espère que ça affiche le temps, ça aussi, parce que sinon on est en train d'écouter un truc easy peasy. Un amas de charogne mentale, ok, ça donne pas envie. Wow, trop dark! Non, je veux. Ça va, merci. Il la remet. Ah, mais en fait, ok. J'ai bien aimé, alors je la remets. Oh, mais ça oh suffit, là là, les mecs. Man. J'aime bien le... Pas... Mets-toi dos à lui et ta colonne, ça va pétra sa chaîne de tronçonneuse. Il dit, faut pas sous-estimer la résistance d'une colonne espagnole. Alors. C'est merdier, ce jeu. Bien. Monsieur Pic, voilà. Dites-moi. On a plus de cigarettes. Mais attends, comment ça plein? Je viens d'en utiliser une, mec. Faut recharger.
Comme ça, tu mettras. Voilà, et maintenant tu t'en prends une normalement. Oh là là! C'est okay. La fête à la maison ici. Il y a plein de trucs dans ce bled. C'est des munitions partout. Oh là là, oh là là! C'était une esquive en bonne et due forme. Allez, ciao, mamie! Il faut nous foutre le feu lui. Mais j'ai pas d'allumette. Ah merde, ouais, c'est vrai. Du coup, je ne peux pas lui foutre le feu. En fait, il y a plein de mecs là, mais je peux rien faire. Non, mais ça, c'est débile. Tu peux sortir. Ah, il y a une clé. Comme ça. Ouais. Pas de la porte, il veut pas. Non, regarde la fenêtre. Non, c'est pour regarder ça. Ah, c'est pour. C'est une loupe. Ah, c'est une loupe. Oh là là, c'est une loupe. Ok, donc ici, on a bien exploré. On s'est bien rendu compte qu'on pouvait tuer personne. On voit Michel contre la tronçonneuse. Ah, docteur Michel, on a quelque chose pour vous. Vous pourriez aller voir ce mec là-bas. Il a quelque chose à vous dire d'important. Oui, celui avec la tronçonneuse, oui, c'est ça. Allez-y. Vous inquiétez pas, il est sympa. Tout à fait. Comment tu fais pour vous donner un coup de pied dans la porte? C'est comme dans Resident Evil 4, c'est deux fois sur le bouton à la place d'une. Ah. Donc alors, on a toujours autant de munitions et toujours aussi peu de feu. On va refaire le trajet habituel, on passe par en haut, on va chercher des allumettes. Mais les allumettes ne servent à rien quand Michel, le fils de pute... On pas sauvegarder d'une manière ou d'une autre. C'est quoi ce bruit? Ah, c'est toujours le c'est mec en haut. Ouais, ouais. De toute façon, tant qu'on est en haut, il peut pas se libérer si on ne lance pas des grenades dessus. A priori. À moins d'une embrouille moldave. Alors... Oh, happy day! Oh, happy day! Mais, on peut sauvegarder, oui, mais... Oh, happy day! On va pas trouver si on a trouvé quelques trucs en plus, mais... Comment faire? Est-ce que je rate sur internet? Comment battre le gros mec à la tronçonneuse? Ouais. Tu peux? Je sais pas, ça me semble être un peu compromis, là. Là, j'avoue que, ouais, j'ai du mal à comprendre. Ah, encore des allumettes, ça c'est parfait. Le. J'ai tapé Evil Within tronçonneuse, j'ai des trucs style. Le gros à la tronçonneuse. Et est-ce qu'il y a comment le battre? Ouais, on va trouver, attends. Si mon ordinateur veut bien. Oui, alors ici on était déjà venu. Est-ce que du coup on retourne sauvegarder ou pas? Toi, tu trouves que c'est une bonne idée? Alors. Ok, d'accord, j'accepte. Puisque tu insistes, je vais sauvegarder. Ah non, il n'y a pas de stratégie, c'est. Voilà. La stratégie est relativement simple. Ils disent la. Alors, je t'explique. La stratégie est relativement simple. Assurez-vous d'avoir nettoyé intégralement le village de tous les ennemis, puis épuisez vos armes les plus puissantes sur le boss. Vous pouvez également exploiter les pièges de la zone si vous ne les avez pas tous amorcés. Fin. D'accord, bon alors, ok. Donc tuer tout le monde, on va commencer par tuer tout le monde, comme ça on n'aura personne qui va nous faire chier. Donc c'est bien de savoir qu'au moins les ennemis repopent pas. Ouais. On dirait, ouais. Et du coup, faut pas le brûler, c'est juste une question de il faut tous les tuer, quoi. Ouais. Alors non, chut. Regardez comment il fait, le loup, là. Y'a plus de mecs ici. C'est quoi ce bruit? Pourquoi y'a un bruit? Y'a pas de mec ici, pourquoi ils nous mettent un bruit? C'est quoi ce but stressant là? Donc on peut utiliser les pièges de la zone, ça c'est peut-être une bonne idée, du coup faudrait peut-être l'attirer là où y'a des pièges. Ah le mec, moi je te conseille de fabriquer plein de munitions pour la... Pour l'arbalète, apparemment. Ah ouais? Ah oui, alors c'est vrai, ça. Comment on fabrique les munitions? Changer de carreau, Y. Pièce nécessaire. Non, on a plus de pièces nécessaires. Ah non, c'est plein! Ah oui, d'accord, ok. Ça, c'est quoi? Aveuglant, ouais, le mec, harponneur. Le mec, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il le canarde de trucs d'arbalète, genre, dans la vidéo. Il en fait plein des trucs explosifs, mes couilles. En fait, là, on peut pas en avoir plus actuellement. On peut en avoir 5, dont 2 aveuglants, 2 harponneurs, 1 harponneur et 2. On peut pas en porter plus en fait. Ah ouais. Et bah voilà, mais il faut faire ça, et puis après, bon. Va falloir revoir la définition de simple, c'est clair. On va dire que vous avez une maison apparemment,
le bloquer avec la porte de la maison et activer une manette de déclenchage d'un piège. Tu fais ça 3 fois et hop, il meurt. Et hop, il meurt. Et hop, il meurt. Très bien. Alors, oui, mais là, en effet, il y avait une manette. Alors, on va aller dans cette maison. Parce qu'il y avait aussi une ma... y a un piège qu'on a carreau explosif, essayé. Ils disent. Carreau explosif, donc. Ouais, les gens ont l'air d'être. On en a peu... deux. On a deux des carreaux explosés. Ouais. Et du coup, lancer des grenades dès le début, c'est pas une mauvaise idée non plus, visiblement, si. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Ça fait quoi, ça? Ah, ok. Mais tu peux le tuer avec des pièges, mais ça a l'air d'être super dur de le tuer avec des pièges parce que vu la vitesse à laquelle il va, on va pas y arriver. Enfin, alors on va essayer comme... d'aller tuer les mecs là-haut. On a encore au moins deux. Ça l'aveugle et ensuite à coup de hache. Carreau explosif, ils disent, ça l'aveugle et ensuite à coup de hache. Mais il faut déjà trouver une hache. Il y a des carreaux carreaux aveuglants aussi. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, les carreaux aveuglants, ouais. Mais carreau aveuglant, puis quoi? Allez, une ah. Là. Regarde la fenêtre, c'est mignon. Mais non, je crois pas. Ah si. Rac. Hop, et ça brûle, ça brûle, ça brûle. Hey. Ciao. A plus, mec. Est-ce que t'as pas donné un truc vert? Si, ça c'est bon, ça. Ah, on va chercher dans le corps qui brûle. Hein. Donc ça reviendra pas. C'est souvent ça, la maison avec les pièges et la manette. Là, vous étiez il y a 30 secondes, ouais, le truc avec... Ouais, mais alors, ça m'a... De toute façon, il y a un autre piège, il y a le piège avec les trucs qui tombent du plafond, là, tu vois. Ça a l'air plus dur, non, presque. Bah ouais, je sais pas. Plus de temps à tomber. Je sais pas. Le professeur, il était dans cette quelque part dans le coin, on sait pas. C'est beau, le professeur, il était invisible. Il est parti pour un monde meilleur. On l'appelle le point, il est parti pour un monde meilleur. Non, mais... Bon, il y avait censé avoir un autre mec ici. Je sais pas pourquoi il n'y a pas d'autres mecs ici. Ça m'inquiète un peu. Bon. On va pas trop s'inquiéter non plus. Il n'y a pas de hache non plus là. C'est à coup de hache, moi à mon avis. Ah oui, ils disent que la coup de hache sur le mec ça va bien. Sauf que. Enfin, moi je sais pas, j'ai vu une vidéo du mec, il le libère, boum, il le canarde avec son. Il fait genre truc aveuglant, après truc explosif, truc explosif, truc explosif, truc normal, truc normal, truc normal, puis après. Deux coups de fusil à pompe, c'est bon. Ça m'a l'air hardcore. Mais après, peut-être que il y a sans doute plusieurs moyens de le tuer, mais il a l'air d'être. Donc il faut une tronçonneuse. Essayer. Hein. Merci beaucoup pour. Merci le jeu. Allez, ciao. Alors c'est ici l'autre piège. Ouais. Il est là. Il est là, ouais. Il faut déjà réussir à le mettre là où il faut, quoi. Sinon, vous attendez suffisamment et sa tronçonneuse aura plus d'essence. Technique de mécano. C'est vrai, ouais, techniquement. Ouais, mais ils y ont pas pensé dans le jeu, je pense. Non, je pense pas, malheureusement. Bon, là, je reviens vers lui, mais en fait, on va aller le canarder avec du feu. Puis, on va se barrer. Avec du feu type grenade, hein. Les grenades, ça m'a l'air d'être un bon plan, moi, je pense. 3 grenades. Si ça lui fait pas des dégâts, je sais pas. Vu qu'il prend des dégâts, de toute façon, on est d'accord, hein, a priori. Bah, a priori, oui. Puis après, on va essayer de l'attirer dans la maison là-bas. C'est loin, quand même. Ça m'a l'air... C'est beau mais c'est loin. Hein. Cette porte est fermée à nouveau alors que je l'avais ouvert précédemment. Bon. Il y a toujours rien dedans. Ok. Bon. Je pense avoir tué tout le monde a priori. Donc je crois pas qu'il y aura des mecs qui vont popper à nouveau, j'espère. Alors, tu vas me sortir de ton anus les petites grenades. De ton anus. Les grenades que tu vas... faire tomber sur lui. Allez, vas-y, mon zouz. Hop. Pas du tout là où il fallait. Hein, mais... Pas grave. Est-ce que ça marche vraiment? J'ai pas l'impression que ça me fait vraiment mal. Alors ça, seul Dieu le sait. Alors, on se dépêche. Oh, mais d'où ils sortent, les mecs? Des mecs qui arrivent, des mecs qui débarquent. Coucou. Là tu vas dans l'autre baraque du coup, tu vas bah, tenter. On essaye, mais en même temps, je sais pas comment je peux faire parce que ça veut dire que... Ah. En fait je peux pas. Ouais, parce qu'il faudrait qu'il arrive de l'autre côté. Bah oui c'est ça, du coup, faudrait le faire tour par ici. Non mais laisse tomber, c'est... Il t'insiste, les pics sortent de où? De là. Là où t'es? Là où je viens de cibler, là. Donc viens par là, voilà, hop. Et là, maintenant, on a pris là-dessus. Est-ce que ça a marché, on ne sait pas. Non, pas du tout. Laissez passer.
Bon, alors, je sais pas ce que je peux faire dans cette vie. Ouais, bah oui, ça, je sais, ouais. On va essayer les pics qui tombent du ciel. Le problème, c'est de nouveau, il faudra le mettre au bon endroit. Oui. Ah oui, c'est vrai, c'est pas le bon endroit ici, encore. Ah, c'est pas par là que j'aurais dû venir. J'aurais dû venir par le ciel, là. Il est où, là, actuellement? Il est derrière moi ou pas? On ne sait pas où il est, très bien. Bah si, attends, si je me mets là, là... Il va forcément arriver par... Ah mais oui, il y a aussi un truc là pour activer. Ouais. Où est-ce qu'il est? Il va falloir être... très réactif. Ouais. Il va falloir bien calculer son... Il vient pas par en haut, hein. J'espère qu'il vient pas par en haut. Et check un des fois, parce que... Je sais pas s'il peut. Est-ce qu'il sait où je suis seulement? Oh my. On est pas un type qui dit 15 coups de flingue et 4 de pompe et je l'ai achevé avec le piège de la maison. Putain. Mais 15 coups de flingue alors qu'on a c'est notre nombre de maximum du maximum. 15 balles de flingue. Mais on n'a pas 15 balles de flingue. Bah non. Putain mais hardcore. Archegore. Allez viens gros salaud. Il est où Mister? Il nous a paumé, je pense. Oh, très beau! Très beau. Quoi, quoi? Petit regard, non, mais t'as mis la caméra, on l'avait vraiment dans la gueule, la tête du mec, pile poil là. Regardez-moi comme c'est beau. Mais il nous a paumé, je crois, hein. Il sait pas où. Il nous a paumé, ouais. Ah! Il est là-haut. Mais non. Il me casse les couilles, ce mec. Vite! Non! 3000 ans en retard! Oh là là! Comment on peut réussir ça? Cours beaucoup trop. Maintenant, vite! Non, non, là, c'est... Non, c'est pas possible! Bah, il va trop vite, hein! C'est pas possible, c'est pas possible! Peut-être en sprintant? Merde, là c'est une impasse ici! Tu peux pas sauter? Ah merde! Alors le feinté! Oh là là! Ouais, oh le feintons-le, feintons-le! Aïe 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 aïe, ces Ouzman infernal là! Il tout doudou, il te descend, mais alors y'a pas de sous quoi, mec. Non, mais c'est pas possible. Non, mais fais pas ça maintenant, mais... Crétin. Ah, coupé en deux, tiens. Marrant. Ah, mais c'est tellement dur, c'est vraiment. Et le faire entrer dans des pièges, c'est pas possible, hein. J'ai essayé les deux pièges, mais. Il faut vraiment qu'il soit très très coopératif pour rester au même endroit, genre. S'il te plaît, reste là, d'accord? Il faut. Je sais pas, mais. Ah, ça. C'est pas cool, hein. Hey, hello Spider-Freaks on here. Exactly, I told Spider-Freaks about mechanics. Ah, cool. I really hope you will enjoy it. When it's got translated. Ah, bon sang. On va se faire... Alors, le flingue, on a 3 munitions. Ça, on a 4... On a 8 munitions. On a combien de... De points de magie? En fait, 1500. Ce jeu est dur apparemment. 1500 points de magie, est-ce qu'on peut s'améliorer avec ça? Allons voir. Est-ce qu'il y a un truc? Parce que puissance d'attaque là, finalement, ça a l'air pas mal. Hein. Ah, il y a Bob le Flambeur, salut, ça va? Hello Bob le Flambeur. Est-ce que c'est un bon agonie jeu? Ah bah du coup, on peut améliorer... ah voilà, inflige des dégâts supplémentaires aux ennemis touchés. Au niveau 5, les dégâts de feu sont aussi infligés. Bon, dégâts de feu... on passe de 100 à 110%, merci bien. Multiplicateur de dégâts, ça serait vraiment bien, mais ça coûte 2500, on n'a pas 2500. Oh, cadence de tir, on s'en fout. Ah, sélectionner l'arme améliorée. Oh là là, il faut choisir en plus. On pourrait améliorer la cadence de tir avec le fusil à pompe, ou la vitesse de rechargement, ou les coups critiques. Améliorant vos chances de porter des coups critiques en visant l'ennemi à la tête. 10% de coups critiques pour 1500 points, merci bien. Hein. Oh là là, c'est si dur. Bon ça on peut pas, agony stock, munitions pour pistolet, munitions pour fusil à pompe, on pourra pas l'améliorer, ça serait bien ça. Ça serait bien ça. Donc finalement le jeu était dur, tu vois, on n'aurait pas dit comme ça. Grenade, carreau, allumette, on s'en fout des allumettes, bon. Ouais bon bah si on a plus de points, si on trouve des points par terre, eh ben, on reviendra, mais là actuellement... On aurait peut-être dû le mettre en facile finalement. Faut peut-être changer encore, hein. C'est pas dans le menu ça? Ah ouais? Je sais pas, il y a des jeux où c'est le cas, non? Option. Ah ouais, on peut.
Mais on va pas jouer en facile, non, c'est... Non, non, en continuant un peu quand même. Si on est vraiment trop nul, on joue en facile, mais moi ça me plaît pas trop l'idée de passer en facile. Je préfère râler et le faire en normal. Ah ouais, j'aurais pas pensé ça. Ah, y'a quoi là? Une bouteille, je parie. Bouteille à la con. Ouais, salut! Ah, lui il est en train de salaud! Oh bah, dis donc! Allez! Tout ça, c'est au four. J'adore la regarder brûler. Et 300. Très bien, donc tu recharges ton fusil, s'il te plaît. Hein. Et ouais, bah voilà quoi. Ici, on avait tout visité, je crois que oui. Là, il y a une bouteille, mais on va tuer le mec à coup de bouteille, je pense. Ah, là, il y a un mec, on va le tuer aussi. Oh, est-ce que c'est vraiment utile ? Ah si, peut-être c'est un des mecs qui viennent m'emmerder une fois que le... Ah, pas faux, pas faux, pas faux. Je préfère être sûr. Pour faux... Alors, attends. Pour info, le world record est à 2h40. À 2h40. Bah... En même temps, quand on connaît un jeu... Quand on connaît un jeu, ça... Là, comme on n'est pas allé très loin, peut-être... Je sais pas si à quel point il est long. C'est peut-être ce genre de jeu auquel on passe à travers assez facilement aussi. Tu vois? Ouais, ouais, si tu connais la technique pour tuer le mec, ça se trouve, ça se fait. C'est, voilà quoi, c'est des techniques quoi, il faut connaître le truc, je sais pas. Il y a des gens ici, il y a plus de personnes ici, très bien. Bon alors. Le... Je sais pas moi, hein, sincèrement. Est-ce qu'il tire dans le bois ou est-ce qu'il lui tire dessus? C'est une bonne question ça. Non, il lui tire dessus. Dessus. Donc plutôt bon plan ça. Maintenant. Trois coups de pistolet, on en est là. Tu vois ce début de musique, il est bizarre je trouve. C'est quoi ça, c'est le truc explosif? Yes, ça c'était bon ça. Hop, et là tu cours. Ah non, tu restes là toi. Mais... Qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est trop dur. C'est trop dur. Parce que courir, oui, mais... Non. Et là, j'ai quand même bien assuré, je trouve, jusqu'à ce qu'il soit pas mort. Jusqu'au ouais, moment où il était pas mort. J'avoue. Mais peut-être que j'aurais. Toi, tu te serais barré après les coups d'éclat. Pour relancer d'autres coups d'arbalète avec d'autres munitions. Un autre type de munitions d'arbalète. Ah, ok. Comme ça, et après, quand j'ai vraiment plus de balles d'arbalète, tac, fusil à pompe, tu vois. Ok, ok. Moi, je te ferais ça. Réessayons de cette manière. Oh, ça me fait penser une run cool à l'Agilicus, c'était la run d'ouverture sur Splatoon au gyroscope. Oui, je l'ai vu, très très classe. Comment oui, et ça veut dire qu'il joue pas, il joue en bougeant les mains quoi. Ah oui, oh parce que ça va plus vite. Ça va plus vite. Ça va plus vite en fait, parce que c'est plus rapide qu'un stick ou un stick, tu dois attendre que le mouvement soit fait quoi. Ah ouais, ok. Là, j'aurais pas dit. Mais ce mec. Ah, ce mec, on a rien à foutre. Là par contre, il t'a vu? Je ne sais pas. Non. Oui. Si. Mais. Ok. Je... Ok. Qu'est-ce que... Oh, son pied a fait un mouvement bizarre. C'est... Et c'est plus... bien plus précis aussi, ça c'est marrant. C'est vraiment, ouais, surprenant. Ah, mais j'ai pas vu du tout ça, moi j'avoue. Mais Splatoon, ça a l'air assez cool en fait comme jeu, je crois. Au final. Splatoon, ça a l'air chouette, ouais. Carrément. Vous avez fini Ape Escape? Ouais, on a fini Ape Escape, eh oui. Eh oui, eh oui. C'est tout est visible hein, en VOD si tu veux vraiment voir Ape Escape. Après, c'était. La fin était. Non, visiblement, on a trois carreaux explosifs en fait, je me suis trompé. Donc on va. On va refaire la méthode. D'abord, on lui tire avec le fusil dans la tête. Ensuite,
trois carreaux explosifs. Ah, la fin, c'était une bromance, exactement, oui. La fin... Mais finalement, on fait beaucoup de jeux qu'on fait et ont quand même un fort côté romance. Arrête de bouger. Arrête de recharger ton flingue. Dans la tête, bien joué. Dans le dos. Et nulle part. Ok. Ah non, c'est pas l'escalier, ça. C'est pas le bon truc, c'est toi. Dépêche-toi. Oui, ce petit son à chaque fois bizarre. Hein. Ouais, bizarre, ouais. Hop, alors, on vise bien, on attend qu'il arrive. Arrête de bouger. Arrête de respirer. Ta vie est en jeu, mon pote. Après, comme t'as les trucs de pour l'éclabousser, pour l'aveugler, tu peux te l'aveugler et le tuer dessus pour qu'il y a compte, tu vois. Bien joué. Là, moi, je trouve la pas grave. Ah, bien joué, bien joué, bien joué. Ah, ça, c'est les transperceurs, ça, c'est ceux. Ça c'est pour aveugler. T'en as fabriqué d'ailleurs ou quoi? Bah j'ai fait tout ce que je pouvais. Ouais. Et l'attaque. Et... Là j'ai les transperceurs. Il est toujours aveuglé. Ouais, ça prend vraiment du temps. Merde. Bon. Ah, il est mort. Il est mort. On en est là, on en est là. Okay. Et voilà, elle est là, la petite vérité. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette matière? C'est lui, c'est... Ah, c'est Ezio. C'est Ezio Auditore. Ah bah, c'était dur. Et on prend la tronçonneuse. Est-ce que c'est un objet? C'est un objet genre 5000 points. C'est un objet genre qu'on peut garder pour toujours. Genre c'est... Ah non, bah non. Bah non, c'est un objet clé. Genre... Oh, c'est juste un objet clé, c'est naze. Ah, oh, je suis si déçu. Ah bah dis donc, c'était pas de la petite rigolade. Là, hein. J'ai gagné encore des points, 200 supplémentaires. Je sais pas pourquoi, mais tant mieux. Bon, ça c'est fait. Ah, y a le coffre là-bas. Ouais. Alors du coup, on peut refabriquer des munitions. D'ailleurs, on va faire ça. Vu qu'on a tout dépensé. Oui. On va changer, on va fabriquer des explosifs, parce que c'est clairement les mieux, je pense, non? Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Oui. Voilà, plein. En fait, mais si on recharge, par contre... Voilà, hop, on revient là. Non, mais par contre, t'as pas rechargé les bonnes. Ah, qu'il est chiant. Attends. Je veux pas ça, je veux ça. Ok, bon, laisse tomber. Laisse tomber. Quel débile. Et est-ce qu'on en fabrique d'autres? Moi, je dis qu'on en fabrique pas d'autres pour le moment. On verra. Alors, pas oublier... S'il y a un piège, y a pas de piège. Et des balles, et des balles. Bon voilà, pas mal, hein. Recharge. Et recharge. Très bien, pour le moment on va prendre le flingue, vu que... En tant qu'on a des munitions pour le flingue, autant utiliser le fusil moins fort et garder les munitions les plus fortes pour d'autres occasions, je pense. Exactement. Hein. On n'est pas 10 là, alors... Nous on en est à 7 là, mais. Moi je vois 7, ouais, désolé. Moi je vois 7 aussi sur mon. Ça me plairait bien qu'on soit 10, hein, mais. Franchement, ouais, on en était. Hop, on utilise. Et là c'est parti. Et là on y est là. Et ça, jamais ça marche, hein, dans la vraie vie. Non, ça c'est. Bah, enfin, ça j'imagine que Capitaine Olimar peut-être nous renseigner, mais. Couper une chaîne avec une tronçonneuse, ça me semble être compromis. C'est pas fini encore. Ah, Michel. Ah, il est là, Michel. Mais monsieur... Inspecteur Castellanos. S'il vous plaît. Ok, on est parti. Fin du chapitre. Fin du chapitre, je pense. Hein. Ah oui. Et voilà. Ah bah voilà, chapitre 3 terminé. Sauvegardons la partie. Eh bah, ben, quelle histoire, les ouzes. Il est midi 16. Est-ce qu'on continue ou pas? On continue maintenant un peu. Ou alors on se fait un petit Massive Boggle. Ah, on peut faire un peu de Massive Boggle, de bonus fin de stream. De fin de stream. Ah, moi je suis chaud. Hein. On va faire et ça. Et la prochaine fois, on sait que c'est toi qui commence par contre, ça va? Ouais. On s'en souviendra. Le patient, c'est le chapitre sûr. Parce que je suis quelqu'un de très patient. Alors que moi, je suis plutôt à l'assaut de la Horde. Ouais. Non, c'est quoi? Non, c'était. Dans les griffes de la Horde. Non, on s'en va. Voilà, menu principal. Eh bien, on a fini les trois premiers chapitres cette semaine. Trois parties. Trois de moins à faire. Bah, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. C'était trois. C'était assez. En fait,
Il y a quand même moyen de s'amuser, je pense. Non, moi je trouve ça bien. Enfin, du peu que j'ai fait, je trouvais que c'était... C'est plutôt intense, un peu trop survival et un peu trop infiltration pour moi, mais ça reste très honnête. Oui, ça se joue vraiment. Ça se joue, ça se joue. Alors maintenant, on se remet sur ce truc-là, a priori, c'est la même, hein, de toute façon. Ici, on va sur Massive Boggle. Alors, j'espère que vous êtes... Ah, I'd wanna go with Mr. Butt too. Don't worry, Unproductive Cosplay. Mr. Butt, it's will be back the next week. Don't worry. No, we're playing a French game. It will be in only in French. Mr. Butt will be in your dreams. Every night. With you, with you in a dream. In your dream with his nice butt. Non, dancing just in front of your face. Dancing with his butt vas-y, like this. Occupe l'espace pendant que moi j'essaye de me do a sexy dance for you. Massive Boggle. In your dream. Voilà. And Massive that will Boggle. Be the best. Massive Boggle. Maintenant, butt on fait un petit. You'll ever see in your life. Ajouter. Capture. Hope de la you fenêtre. Will enjoy this. Ouais. Et tu captures ceci. Voilà, très bien. Ok. If you want. Ouais, non, alors par contre, mauvais. Mr. Butt will stay with you forever. Tout ça, tu vires. I'll poke his nice butt. Yeah, I bet you, I bet you will. La fenêtre, oui, et seulement l'intérieur. Ah non, mais c'était déjà le cas. Bon, pas grave. La souris, on s'en fout. Gamma, mes fesses. Ok. Ah oui, en fait, il suffit de faire ça. Voilà. Et hop. Voilà. Alors, Massive Boggle, comme le jeu a eu pas mal de succès la dernière fois. Moi, personnellement, je laisse The Evil Within. Je laisse comme ça, si quelqu'un cherche Evil Within, il dit ah, des gens jouent à Evil Within et il tombe sur Massive Boggle. Vous faites un Massive Boggle. On fait du Massive Boggle, ouais. Et là, tout le monde se ramène, c'est la fiesta. Parce qu'on était à la fin du chapitre. Alors, jouez tout de suite. Ouais. Donc, je prends le clavier sur mes genoux. Mais, et mental. Alors, vous connaissez les règles, on va pas les réexpliquer. C'est notre jeu préf, hein, très honnête. Est-ce que tu peux tirer un peu sur le clavier? Je sais qu'il y a plus de marge. C'est mais... quoi, c'est le bleu? Ouais, il est coincé derrière, je ne sais pas où. Normalement, il y a moyen de tirer plus dessus. Ah voilà, tac. Ouais. Si c'est... Parfait, c'est bon, c'est bon. Oulala. Mais attends, zéro point, mais attends. Lit. Oh là là, on est fort. Lis. Non, c'est avec un. Si, ça marche. Oui, parce que c'est toujours plus lit. Lis au pluriel. Lissé. Voilà. Oh là là, on est fort. Hein. T. C'est. Tasse. Tasse. Ça, c'est la choupe, ça. Ça existe, hein. Je lis le. Tasse. C'est pluriel aussi. Tassé. Tasse. Ouais. Sel. Mm-hmm. Voilà. Bah voilà, on a... c'était pas mal, hein. Tisse, c'est un mot. Nat. Ah non, je pense pas que ça marche. Tisse, c'est tissé. Ouais. Ouais! Tan! Nat! Captain Elmar dit Natel! Tan! Tan, mais oui, ça marche! Quoi? Attel! Attel! Non, Attel, ça marche pas, bien essayé. Sel, ça existe. On l'a déjà pris. 7, ça marche. Natel! Natel! Ça existe, Natel! Oh mon dieu! Attel, mais non, ça marche pas, Attel! En fait, il faut que les lettres se suivent. Il faut que les lettres se suivent, il faut que les lettres se suivent. Désolé, Lissa, ça marche. Y'a qu'un T. Lissant! Lissant! Dans Lissant! Lissant! Sorry, oh. Sorry. T'as vu ça? Unproductive Lissant. Cosplay, sorry for that. Lissant, ça n'existe pas. Lee, on l'a déjà mis. Lee, on l'a déjà mis, c'était ton premier, oui. Alors, ok, tu connais pas le jeu, mais... Donc, le concept. On réexplique. En gros, grille de lettres, tu dois faire des mots avec, mais il faut que les lettres se touchent. Par exemple, si j'écris tasse, eh ben, tu prends le T, tu vas en haut à droite, ça fait t'as le A. Ensuite, tu peux redescendre sur le S, à droite sur le S, tasse. Et ensuite le E en bas à droite. Vas-y, tâté. Natel, Suisse représente, mais oui, le Natel, et oui, c'est ça, exactement, le téléphone. NATV. C'est le quoi, national Natel téléphone. Ah oui, mais parce que c'était dans le dictionnaire. Hein. Ah, c'est étonnant. Reste. Oh, oh mais oui, très beau, reste. Oh. Bien joué. Reste ENT non. Dodo Time, et eh ben à plus, reste, Nipalito. Non. Bonne nuit. À la bisous. Semaine prochaine. Dommage, je suis pas au moment où on fait la meilleure chose. Ouais, c'est vrai. Lycée, vous l'avez mis. Net. Ouais. Lent, L-E-N-T. Tel. Lent. Ouais. Lente. Lent avec un S. Lente. Et lente. Lente. Oh là là. Alors là, on a vraiment... On est des petits génies, j'ai l'impression. C'est non, avec nos, 500, nos 55 points, si on n'est pas premier, je sais pas. La télé, c'est, pas c'est clair, putain, c'est clair. Télé, si ça existe. Télé au pluriel.
50 000 points, on en a jamais eu autant. Oh là 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 là. J'ai failli faire tomber mon clavier. Ah, on est premier? Non, ah non, il y a Angélique Québec qui est deuxième. On est. On est quoi? 45ème. Tissat, retasse, restant. Ah putain, restant. Entassé. En plus, on avait. Annelé. Annelé, mais ça n'existe pas. Je suis désolé, mais. Il au pluriel, désolé, j'oubliais, c'était bien pour toi. Trop tard. C'est le point qui nous aurait permis d'être premier, je crois. Bah oui, sans doute, regarde. C'est une nouvelle. Ah non, c'est dur. Bon alors. Alors c'est parti. Leva. Ah! Leva. Eleva. Eleva. Bien joué. Élève. Oh. Une latte. Molle. Avec un latte. Latte, non. Ouais, c'est un choix. Éole. H-O-T-E. H-O-T-E. C'est deux T, je pense. Ah non. Ah non, il y a aussi. Oh là là. Ah, mais c'est genre haute. Là. Un hôte. Ah, mais oui. C'est pas une hôte. Tel. Ah, bah oui. Ouais. Vol. Vol. Voler. Vote. Laver. Lave. Voter. Lave. Laver. Oh là là là. Call, elle dit. K-H-O-L, ça existe. Il, ça marche pas. Ah, mais oui, du call. Cool. C'est quoi du call? C'est pas. Ah, ça existe, mais bravo, lave, bravo. Lave, on l'a mis, mais c'est très très juste. De tôle, de la tôle. Un lot. Moé. Lavé. Oh, le moé. Si. Lavé, on l'a mis, on l'a mis, on l'a mis. Désolé, je suis. Pas désolé. De problème. Lent. Lent. Putain, on peut presque lent. Faire lavette. Dommage, essaye quand même. Je crois pas qu'on lavette. Peut. Ouais, je crois pas qu'on peut. Lavette. Il manque le. Non. Laver. Lavetto. Lavetto. Tolei. All. C'est mais ça dire. N'existe pas Tolley, en français. Oui, peut-être bien. Tolei. Mélodie, ouais. Bob le Ferber. Mélodie. Non, juste Mélo. Mélo. Mélodie. Non, il n'y a pas de D. Lent. Lent, on l'a déjà dit. Lent, on l'a mis. Val, dans le Val. Ah, dans le la Val. Vallée, dans la vallée de Damas. Vallée, peut-être. Vallée, on peut. Vallée. Mais non. Si, 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 Vallée. Ah. Oh, bah non. C'était joli en plus. C'est avec deux. Deux. Avec deux, deux L. L, grand Dieu, mais bien sûr. V, c'est peut-être un mot, V-E-T. V-E-T. Tome. Attends, V-O-T. V-E-T. V. Ah, oui. Boum, c'est un mot. Vallée, elle dit Choupzi. Vallée, mais ouais. Bien joué, wow. Ça. Très, très bon. Télé encore. Télé. TV. TV. Non, ça marche pas. Hôtel. Hôtel. Hôtel, le verbe. Attends, hôtel. Vote, dit Choups. Ça marche pas. Ils ont elle. Vote, on l'a mis. Il. Hôte. Ah, mais ils hôtent au pluriel, genre. Ils ont hôte. Ouais. Ouais. Mais c'est A-U. Ah non, ah merde, mais oui, non, c'est con. Pas ça, je sais pas. Non, alors sans le H. Genre, ils, tu vois, ils enlèvent quoi. Ah ouais, haute. Haute. Ouais, voilà tout ça, toutes les variations. Ah, et on est combien? On a 39 points sur un total de 213. Étale, ils étalent, bordel. Et on est 36ème. Bah, bah, bah. Et ouais, la petite bête qui monte. Ah, il y avait molle. La petite bête qui monte. Mais Angélique Québec, elle est. J'ai mis molle sans E. Est-ce que j'ai mis molle avec E? 10 lettres, 10 lettres étaient déjà là quand on y jouait la dernière fois. Hein. Qui? 10 lettres. La personne qui s'appelle 10 lettres. Ah. La deuxième. C'est pas dans le chat, personne... pas dans notre chat. Ah non, non, non. Ce qui va être bien, c'est que sur la VOD aussi, il va y avoir du Evil Within et du Massive Vogel. Ah oui. Ah, c'est bien. C'est bon ça. Pneu. Pneu. Non, non, peut-être pas, non. Mais. Un. MES. Un. MES. MET, MES, METS. Menu. Menu. Menu et menu au pluriel. MER, MER. MER, MER au pluriel, non. T. NEM. P. Et P au pluriel. Oh, joli. Boum, les proutes. C'est quoi que t'as dit? NEM. NEM. Veux, elle dit Choups. Veux. M. Genre, il veut quoi. VEUT, mais oui. Ouais, VEUT. Ah, ouais. Merci. VOTA. Non. Mo. Ah non, mot, il n'y a pas, c'est deux dans l'autre. Vu, VU. Me. Et VUS. Peu. Non, mais en fait, les mots deux lettres, je crois pas que ça marche. Ah bah alors, juste VUS alors.
Quoi? VUS. Vu. Ah oui. Nu. Nu. Merde, non. T, on l'a mis déjà. Ah, okay. Nu au pluriel? Ouais. Nuée. Nuée. Neuve. Neuve. Mais ouais, oui, neuve au pluriel. S. Non. Si tu... Ah non, bon. Tu peux pas. Non, parce que le dernier E est là, genre. Ah. Neveu. Que... Sens, dit Choups. Peut aimer, M-E-T. Peuvent. Peuvent. Peuvent, on l'avait déjà mis ou pas? Peuvent, ça n'existe pas, juste peuvent comme ça. Peuvent. Ils peuvent. Ils peuvent, par contre. Ils peuvent, ouais. Bravo. Ça, c'était stylé. T'as mis sens? Oui, t'as mis sens. Sens, j'ai mis, ouais. Reste. Ils non. Peuvent bien jouer. Ré. Ré, ça existe. Ok. Très, genre il est très con. Ouais, voilà. Très. Très U, non. Ténu. Ténu. Et au pluriel aussi. Ténu. Ouais. Ténu. Ténu. Peuvent, on l'a déjà mis, oui. Non, ténu au pluriel, ça marche pas. Peuvent, on l'a mis, oui. Désolé. Peuvent. Le mettre. Peuvent, pas au pluriel, ça marche pas. Su-a-nem. Non, ça n'est pas possible. Nem, on l'a mis. On l'a mis, on l'a mis. Reste, ah bah non, non, j'ai rien dit. Y'a pas de, il manque un peu. On avait déjà essayé, je crois. Pas de soucis, pardon. Non, c'était juste que tu t'excusais. Oh là là. VEU. Un vœu. Vœu, c'est VO. Non, ça marche pas. Ah. Somme, tu m'as mis le somme. Est-ce qu'il était dedans? Attends, je vais voir si le somme était bah, dedans. Bah non, bien sûr que non. S. Putain, il y avait pas somme. Mais ils comprennent on rien combien, en français, les mecs. On est 36e comme la fois dernière. Hein. Ah, on stagne. Bah, sur 51, 36e, c'était nul. C'est pas top. Non, mais pense en même temps, il y a un mec, son pseudo c'est Dr House 2. Donc en même temps, le mec il est un peu son stag. Alors, son stag. Doigt. Lin, du lin. Doigt presque, mais pas vraiment. Lin, ouais. C'était dur à trouver ça. Dog en anglais. Dog. Ok, bon. GTA. Bon, ça, ah vrai. Putain, c'est vrai. Do, les lettres do. Les lettres. Dope, D-O-P-E. Les lettres do. Dope. Dope au pluriel. Ça marche. Ouais. Bah ouais, la dope. Il est dope. Pause, P-O-Z-P-S-E. P-O-S-E. Une pause, ouais. Ouais, 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 ouais. Dose, D-O-S-E. Ouais. Un lingot. Linge, un Captain ah Neymar. Merde. J'ai... Linge. Linge. Oh là là, joli. Aude, linge au pluriel, shoot. Attends. Aude. Et des odes au pluriel. Très bien. Geg. Sodo. Geg. Sodo, ça marche pas. Geg. Ça marche geg avec pas. S, ouais, ouais. Décevant, hein. Décevant. Eh. Ou est. Y'a God aussi, hein, mais ouais, je pense God. Pas que ça fonctionne. Ouais, on essaye. Hein. God, ça marche. Ça Yod. God au pluriel. God, ça marche. Yod. Sodo, moi. Yod. Putain, mais. On est vraiment tous des abrutos. T'es, je l'ai mis, je crois. Géo, ouais, mais ça. Ouais. Géo, si ça marche. Ouais. Va avec un T, non. Gave, mais le problème c'est que non. Ouin. 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 Non, santé. Santé, non, ah, santé non. Ça n'existe pas, je crois. Tu peux écrire podolinge, mais ça veut sans doute rien dire. Pesto, non. Pesta, il pesta. Ah, oh. Oh. Gong. Oui, oh. Gong. Putain, gong. Tu peux écrire ça, c'est incroyable. Ah oui, c'est vrai. Oh, incroyable. Yod, on l'a mis yod. Ouais. Yod, on l'a mis, oui. Ouais, ouais, ouais. GG. GG au pluriel, comme quand on a fini plusieurs matchs de Street Fighter. Ouais, ouais, ouais. TG aussi. Ligne, non? Non. Ligne. Non. Lingot presque, mon papa.
Lingo. Non, non, il n'y a pas le T, fonctionne pas. Gogol. Alors, non. Non. Taj, ça veut rien dire. Pesa, stag. Vage. Swag. Non. Lion, dit Bob le Flingueur. Hein? Lion. Ah, mais oui. Mais Lion. Ah, mais oui. Pédo. On peut faire pédo, non, mais pédo, mais c'est pas de non, ça marche pas. On peut presque faire stagne, c'est dommage. Nil. Oh. Nil, ça n'existe pas, mais c'est pas grave. C'est bien essayé, continuez. Ah, le Nil, ouais, c'est long pas mis quoi. Long. Ni, ni. Oh, long. Oh merde. Putain, j'ai trouvé long juste à la seconde. On est combien? Vas-y, vas-y, dis-nous. On est. 36ème. On est 33ème. Ah, on s'améliore. Bah, on s'améliore. Putain, on pouvait faire postage. On pouvait faire postage. Et. Linge au pluriel, on l'a fait, non? Linge au pluriel, en fait, c'est pire comme ça. Ah oui. Je sais pas si on l'a fait. Hop, le setup de la vraie vie qui change. Dope. Ouais, là, on l'a fait. Faut pas saisir deux fois la même lettre, malheureusement. Il faut que les lettres se touchent diagonalement ou horizontalement ou verticalement. Alors. Et une seule fois chaque lettre. Alors, di. Mi. Une. Mo. Non. Mi. Un toit. Non, j'ai rien dit. Et. Moi, M-O-I. Moi. M-O-I-S. Moi. Ah oui. Toise. Un non. Do, D-O-S. Toisa. Ah non. Toisa. Non. Non, non, non. Do. Moite. Non, j'ai rien dit. Moite. Moi. Ça marche pas, y'a pas de. Non. Vie, V-I-E. Vie. Choups dit Dan. Via. Dan, genre le personnage de Street ou un Dan. Dan? Non, je pense que c'est genre. Dan, ça marche. Bah oui, quelqu'un. Troisième Dan, ouais. Toi avec toi T. Toi avec un T, ouais. Ouais. Et toi normal, si je peux sur la mine, non, je crois pas. Mida. Moi, on avait mis déjà. Ouh là là. T, genre. Soit. Non, ça marche pas. Et so, dit Choups. Soit. So. Toi. Ah. Non, ça marche pas. Désolé, je mets tout ce que vous dites. Mia, la chanteuse. Dôme. Mia. Oh, Dôme. Dôme, allez. Dôme, il n'y a pas Dôme au pluriel par contre, malheureusement. Aise. Non. Et Moisi, dit Bob le Flambeau. Dain. Un dain. Moisi. Moisi. Non. Eh non, parce qu'il n'y a pas de i. Ben ouais. Dain, est-ce que c'est au pluriel? Oui, dain au pluriel. Pas mal ça, non? C'est-à-dire que moisi, si on pouvait utiliser plusieurs fois la même lettre, on pourrait, mais là on peut pas. So. Ah, je sais pas si tu l'as déjà. Oui, tu l'as déjà mis, c'est bon, c'est bon. C'est bon. So. Oh là là. Mi, M-S-T. M-I-E aussi, M-S-T, mi de pain. Non. Ah oui, mi. Mi. Mi au pluriel là. Bah. Non, tu peux pas. Non, tu peux pas, mi. Ok, ok, ok. Kyo, le groupe, avec un i. Kyo. Kyo le groupe avec un Q. Et un Q et un I. Kyo. Ne, N-A-I-T dit Choups. N-A-I-T, ouais. Ne. Ah, ne, oui. Très bien. Choupsy, il faut dire ou Choupsy, oublié. Oui. Choupsy. Tom. Vous avez mis Tom. Bien joué. Oh là là, il y en a pas tant que ça, hein. Bah, ça, c'est ce qu'on pense. Ouais. On peut pas se faire Doita, mais on peut pas. On peut faire Do, t'as mis Do, D-O-S? Oui, on a mis Do, D-O-S. Et D-O-I-S, genre tu dois? Ah. Non, on l'avait mais, promis. Dis, ah non, je l'ai dit tout à l'heure. Ouais. Pardon. Di, D-I-T. On l'avait mis. Mitome. Mitome. Mitoman. Non, non, on peut pas. Mitoman, très très mal orthographié. Très mal orthographié, ouais. Alors, on était combien là? Oh là là, on a mal joué, je crois. Ah non, 38ème. Ah, pas top quand même. Si, on a perdu. Mais en même temps, les premiers mots, c'était quoi? Il y avait Stomy, Eme, Aide, genre Aide. Il faut inventer des mots. Stomy, ah, mais attends, maximum 100 points, c'était une grille très dure. En fait, plus les points sont bas, plus les grilles sont difficiles. Là, la meilleure, elle a eu 74. Une grille à 100 points, c'est très 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 dur. On aurait pu faire. Mia, ah oui, le Mia. Genre, il danse le Mia, tu vois. Ah. Alors. Molle. Oh là là, mais le nom de E, mais qu'est-ce qui se passe? Né, N-E-E. Et né. Alors, molle, né, oui. Né. N'oublions pas que néné, ça marche. Ouais. Néné, non, mais ça marche pas.
Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont What? trop. Ouais. Sel. Sel, les. Avec le S-E-L-E. Ça marche pas? Quoi? S-E-L-E. Ça veut rien dire, non. Non, il faudrait deux L. Seine, C-E-N-E. C-E-N-E. Genre la Sainte-Seine. Et C-S. Ouais, la Seine comme ça. Séné, peut-être ça veut dire quelque chose. I don't know French words. But if I did, I would help. I know you would help. But maybe. Olé! Maybe one day we can. Ça marche, olé! Maybe we can try an English massive boggle once. Molle, I don't know it. Maybe it exists. Oui, je l'ai mis déjà. Seine, y a Seine. Do you know if it exists? Oui, on l'a mis, Ah, avec S, ah oui. Et on a mis aussi avec C, désolé. Ment. Ment. Comme il ment. Oui. Mener. Mène. Ouais. Mener. Mener au pluriel. Sec, on peut pas faire sec? Si, on peut faire sec. Sec. Mais du coup, on peut pas faire. Ah non. C'est bizarre, hein? Ouais. N-E-S et MOL. Ouais, M-O-L-E, mais ça marchait pas. Ness, l'homme, la Ness. Ouais. Ness comme la Ness. Censé. Et du coup, censé. Ah non, ça marche pas. Mais pourquoi? Ça marche pas. Sans sens. Ah, mais non, c'est. Non, c'est parce que. Voilà, c'est comme ça. C'est dans l'autre sens. Okay. Là, tu peux pas remettre le S. Aïe, aïe. Ah, you don't have to. I think it exists, I'm pretty sure. Ah. Neck, c'est pas un mot, N-E-C. Neck plus ultra, oui. Ah, ils l'ont pas. Non. Ken avec un C. Oh là là. Je me suis fait Ken. Oh, ça n'existe pas. C-O, genre le CIO de CEO. Ouais, non, c'est assez nul comme barre. Comme grille. Les, tu l'as mis seulement? L-E-S? Oui, je l'ai mis. Coller. Ah non, mais non, pas du tout. Pas du tout. Putain, mais tu peux rien faire. Mot, M-O-E. Non, ça n'existe pas, j'avais déjà essayé en plus. Comme le Moe. Ouais, c'est C-O, S-E-O, maintenant il faut inventer des mots. Hein. Pas beaucoup. SOS? Ah non, tu peux pas. Loé. Noël. Noël! Ah non, tu peux pas. Moël, tu peux faire. Moël, ouais, on pourrait faire Noël. La moelle? Ah. Non, il faut deux L. Faut deux L, ouais. On devrait tester le Massive Boggle English, dit Captain Alima. Mais oui. Léo et Len. On essaiera, mais tout ça n'existe pas. Hein. C'était 101 points, encore une grille extrêmement difficile. Il faudrait qu'il nous mette des grilles plus faciles. Célène, Molène. Mais quoi? Des mots qui n'existent pas. Hein. Ouais. J'aimerais bien le bouger aussi. Tu avais trouvé une solution. Non, mais tu peux pas le bouger. Il faut agrandir la fenêtre. Faut l'agrandir de l'autre côté. Voilà, tac. Éocène, mais c'est quoi ce mot aussi? Ça n'existe pas. Alors il va falloir que tu recliques dans le truc jaune au milieu parce que ouais. Tu as cliqué ailleurs. On essaie en anglais après? Oui, on peut, ouais. Ça va être encore pire. Hein. Ouais. After this. This game, we'll try it in English. L'un, L-I-N. Unproductive cosplay, so be ready! Roi. Non, pas du tout, pas du tout. Riz. Pain, P-A-I-N. Pain. Encore une qui a l'air dure. Hein. Lycra. Ah non. Lycra. Y'a pas, pardon. Car. Non. Cal. Ouais. L'âne comme une... Non, ça marche pas. Pâte. Ça existe. Pâtir, P-A-T-I-R. Pâtir. Oh, je l'ai. Pâti. Cri, elle dit. Cala. Cri. Cri, ouais. Bien joué. Ri, arité, c'est un mot. L'Éocène est la deuxième époque du paléotégène... Paléogène et aussi la deuxième guerre de la Cénozoïque. Oh mon dieu! C'est super dur. Ouais, je sais des mots au hasard. Mais ça marche, mais en trois lettres, il y a beaucoup de trucs. Toi? Mais non, ça marche, ça n'existe pas. Punaise, cette grille est encore plus dure que celle d'avant! Rinal. Rinal. Si, il y avait un Rinal. Lia. Crin du crin. Pardon. Oui, en effet. Wikipédia. T-I-R. Wiki. Ah, non, mais j'ai appuyé sur le bouton Windows, oui. Quel crétin.
Non, oui. Il n'y a pas W, donc c'est mal barré. Wikipédia. Mais tire. Pas là. Pas là. C'est un mot. C'est un mot. Calme, je l'ai mis. Lac. Lac, mais ouf, ouais, mais... Ça c'est notre Suisse. Lia. Ça, c'est notre Suisse, on l'a mis déjà, Lia. Ouais. Ouin. Il ouin. Pas mal, ouin quand même, non? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Lino. Lenny, genre. Lino. Il a fait de la laine, il le Lenny. Lino et Lyon. Et Lyon aussi. Mais Lyon, c'est la deuxième fois qu'on l'a, à mon avis, ouais. C'est bizarre. Alain dit Cal. Alain, mais putain, mais oui. Alain. Cal. Oh, Cal. Dommage. Ça marche, Cal. Cal. Mais Cal, je l'ai mis déjà. Hein. Non, mais Cal. Oui, je l'ai mis déjà. Ah, Nia, genre il Nia. Ah. On a 20 points, oh là 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 là. Sinon, Patalini. Patalini. Quin. Mais non. Cap. C'est encore des prénoms, ça. Cal, cap. Le cap. Ah. Oh là là. Cap. Est-ce qu'on peut agrandir la fenêtre parce qu'il voit pas ce qu'on a déjà tapé? Genre pour virer limite les résultats de la partie. Mais ça, je sais pas comment on peut faire malheureusement. Ça reste qu'il y a là. Il faudrait refaire une capture et la mettre plus grand, je sais pas. Mais on peut pas faire ça avec c'est une capture automatique où il faudrait. Ouais, non, c'est pénible. Je sais pas. Mais non, mais c'est Massive Boggle en anglais. On va essayer en anglais de toute façon. Comment Massive Boggle in English. Bah, tu t'as Massive Boggle in English, je sais pas. Massive Boggle in English now. Boggle online. So, we are counting on you. Unproductive cosplay, be ready. c'est pour jouer Boggle Online English Ma- Word Massive Game. MassiveBoggle.com, hein. vas-y, ouais, ça a l'air d'être ça. Hein. MassiveBoggle.com. C'est ça. Yes, play immediately. Play immediately. Let's. Okay, let's go. God. Die. 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 Alors, please, Unproductive Cosplay, we need you now. Mid, LNI. Mid. Dirt. Mais oui, bravo. On va être si mauvais. Dick. Oh god. Mister MR. Let. Right. Genre un rite. Right. Right, yes. Chien. Rite. Tel. Ok. LNI. Non, mais non. Si. Non. Mais chin. Chin, c'est juste, c'est genre le menton. Chin. Shit avec un C. Shit, ça existe. Shit, I don't know. It doesn't exist. Diet. Ah mais ouais. Oui, t'es trop fort. Carpe. Die, on l'a déjà mis. Die, it's already type. It's already Wreck. There. Wreck. We already wrote. Wreck, ah oui. Net. Oui, net. Un filet. 12 points, on est die, tit. Oh, Spider Friction Ice. Tit, ok, d'accord. Désolé, mais voilà. Tech, T-E-C-H. Tech. Ouais. Tech. Ah, tech, on peut pas mettre. Mic. Non. Mike. Bon, Mike, ça marche pas. Ça aurait pu. Ouais. Par contre, j'ai l'impression qu'on est les seuls, alors ça, on sera premier. Ah, mais c'est trop bien. Peut-être c'est un duel du coup. Non, je crois qu'on est les seuls là, pour de vrai. Ah ouais. 1 sur 1, tu vois, on, ah est, bah oui. On est premier. Ty, we already wrote it. Rice. Dire. Putain, mais oui. Rice, yes. Ok, so. With 15 points, we are first! Ah, mais du coup, c'est que les mots que nous on a trouvé. On peut pas savoir tous ceux qu'il y avait quoi. Ah ouais. C'est peut-être à chaque fois que les mots trouvés, non? Oui, c'est peut-être bien que les mots trouvés. Ah ouais. C'est... Oh, mais we are the only one. Mais peut-être il y avait un autre site, c'est non? Trop avec, dur, peut-être en c'est un autre site. Moi, je trouve que c'est parfait comme ça. Je préfère qu'on soit premier. Non, c'est trop dur.
Bah, on fait encore au moins une partie. Ouais, oui, ok, ok. Oui. Mais moi, j'essaierai sur notre site après. I let you down. Mais pourquoi est-ce que ça, c'est le même site? Il n'y a pas d'autres. Ah, pour qu'il y ait d'autres gens. RS. Ça marche. Toh, T-O-E. Toh. Site. Oh. Thaï de nouveau. Thaï, Sat. Sat. Comme Saturnum. Ouais. Exact. Itoi Taiga, comme Shigeru Itoi. Itoi. Ah non, ça marche pas. Core, c'est O-R-E. Comme hardcore. Archecore, c'est avec un E, ouais. Cores. Ça. Bear, B-E-A-R. Avec un super accent. Bear. Beers. Beers. Cob. Cob. Ouais. Ça veut dire quoi, Cob? Je sais plus. Sir. Sir, mais oui. Sir, it's been like 5 years since Siri. I played Boggle. Don't worry. Siri. No problem. Exact. Ça veut dire quoi, Thierry? Pour moi, c'était une intelligence artificielle. Non, je sais plus quel film. Mais... Ah, non, c'est une intelligence artificielle. Un truc dans les téléphones, c'est pas un truc. Ah, mais oui, c'est dans la réalité en fait. J'ai. Quoi? Mais t'as essayé ça? Aries. Non, deux os. Aries, par contre, c'est un vraiment. Non, j'ai essayé aussi, ça n'existe pas. It doesn't pas work, it doesn't exist, apparently. C'est si dur. Beings. Non. Tire. Ah, les pneus. Bien vu. Tire red. Non, il n'y a pas de D. B-O-R-E, bord. Co. Bord. Bord. Ah oui, c'est juste, oui. Avec côte. C'est genre une. Bord, c'est genre les. Non, avec un côte. C'est genre la femme du. Rot. Ah, je sais pas. C'est genre le. La... Bord, Riot. Bord, c'est genre les. Riot, t'as vu, Riot, je trouve. Nice. Tu vois les cochons, les. Ah, c'est les truies. Ouais, non, les cochons sauvages, là, tu vois. Les sangliers. Les femmes des sangliers. Ah, les laits. C'est ça, je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr. R.A.S. On l'a mis en premier, je crois. Ou c'est peut-être sanglier, bon, je sais pas. Bored to be your life. Sire, tu l'as mis ou pas? Je l'ai mis Sire, peut-être avec le. Ouais. Mm. Sire. Je sais pas ce que c'est. Code. R-I-E-S. Code, j'ai mis. Ri, non. Avec un E. R-I-E-S. Ouais, bon, d'accord, ça marche pas. Sera. Fier! Sera. Sera. Aries, nom de constellation et item à corne de. Isaac. À corne déesse, Isaac quoi? Oui, dans Isaac, il y a un dans le jeu qui s'appelle Aries. Ah merde, ils l'ont pas compté. Gore. Gore. Ah. Stylé! Toujours Crumbs, toujours Max 414 points. Mais. Il y a à mon avis des mots qu'on bon, a. Allez, si tu veux, on peut chercher un autre, mais moi je crois pas qu'il y en ait d'autres, hein. Alors, reviens en arrière. Non, mais. Hop. Voilà, ici. Du coup. Je sais pas, le premier genre, c'est quoi? Mais ça, c'est le site de. Non, pas ça, le premier, le vrai premier. Là, le truc d'annonce, on s'en fout. Ok, start to play. Ouh là là. Oh, nickname. Mmh, ça a l'air. J'ai. Ah, là, ouais, il y a des gens. Faut cliquer dessus et tout, c'est ça. Non, tu peux taper là, tu mets là. Ah, ouais. Il t'explique, là? Alors. Mo. M-O-E. Oh, allez, avant, enlevez les sons, calmez-vous. Ça va être pas possible, hein, ça va être pas possible. K-E-Y. 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 K-E... Qui? Ah, oui, qui? Qui, ouais, pardon. Vo, V-O-E. Oh, là, ça rame. Je veux bien que vous jouiez à What the Movie un soir. C'est quoi What the Movie? Mint. Tindy, Choupi. Thin. Ah ouais. Hit. Exact. Hit au pluriel? Non. A meme. Hot. Meme. VOC, V-O-C. Not in the dictionary? Non. Are you there? Int. Ah, bien joué. Tindy, Bob, le fambouille. Très bien, Int. Me. C'est pas dans le dictionnaire! A theme! 10 points, boum! C'est les screenshots de 10 points? Mais attends, les points sont différents. Ça va être dur, ça va être trop dur. Ah, des screens, on pourrait essayer ça. What ouais. Hein. Mais on peut le faire juste après, tiens. Ouais. On va le faire juste après. Parce que là, c'est trop dur.
Oh, oh, boum! Oh là là. Home. Hove, je sais pas ce que c'est, mais je l'ai trouvé. Oui, c'est les c'est trucs d'abeilles, les petits machins d'abeilles, je crois. Men. Ah, j'ai bien. Oh, yeah, ho, we already wrote it. Hope. Ten. Non, hit. Ho, on l'a déjà écrit. HIT, on vous l'avait mis. Oui. A hit. Net, ça notait. Net. Move. Oh, stylé. Yo. Movement. Non. Non. Oh là là. 53 movement. In the place. Movement. Oh là là. Je crois que j'avais trouvé un mot aussi long dans toute l'histoire de Boggle et je l'ai trouvé en anglais. Boom. CQC. Monit. On va faire un truc, monitor, non, oh là là, monit... Monit. Monite, je sais pas. Mont. Mont. Non, ça existe pas, Mont. Quoi? Tino. Mais enfin. C'est... Kyo. Non, on peut Kyo. Faire Kyo, non. Enfin. De toute façon, on a un mouvement, on a tué tout le monde, là. Comme si les Anglais, ils n'allaient pas trouver mouvement. Mais bien sûr que non. Month, dit Choubzi. Quoi? Month. Ah, mais bien sûr. Bien joué. Ça l'est bien cette grille, je trouve. Hein. Ouais, mais je pense qu'elles sont mieux adaptées au truc anglais, du coup, j'ai l'impression. Comment Parce ça? Que celle d'avant qu'on a eue sur l'autre là. Bah, je crois pas... qu'on en a fait deux grilles, c'est juste qu'on ouais, a pas eu de chance, mec. Peut-être, peut-être. Quoi? Chemni. Chemi. Chemchemimi. Chevon. Okay. I don't know this word. Ah, c'est fait bizarrement. Hein. Movement. Yes! Ça c'était le nôtre, ça. Et on est loin, loin. Non, ça va. Mais on était. Tu nous as vu en rose. On était là. Non. Tout en haut, ouais. Bon. 84ème. 84 sur 200. Voilà. Comment c'est le nom du jeu où il faut reconnaître les. Ah, les... movie. What the movie? Vas-y. Le stream. Vas-y, vas-y, what the movie. Ah, what the movie. Discover movies another way. Alors, oh. Ça. What? Ça ressemble à. Ça ressemble à. Mais ça, c'est l'autre là, c'est le truc de. C'est Apocalypse Now. Bah Random Next. Avatar. Avatar. Trop facile. Mais ce jeu est trop simple. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah, ça c'est Chucky. Chucky. Ah, mais oui. Rac, on est trop fort. Ah, c'est abruti. Dumb and Dumber. Non, je sais pas. Non, peut-être pas. Peut-être bah, pas. Peut-être. Hein. Non, c'est pas ça. C'est quoi ça? What is this movie? Comment s'appelle le film où il est enfermé? Non, c'est pas ça. Hein. Non, c'est pas ça. Dans le studio, là, parce qu'il a l'air de non, naïf. C'est... Non, c'est pas non, ça. C'est pas ça. Chut. Il voit pas la souris. Ah, je sais pas ce que c'est. Quelqu'un sait, mais... Dans quoi il a joué? Il a pas joué dans un milliard de films, hein. Oh, quand même. Il y a beaucoup de comédies grasses et débiles. Là, ça a l'air d'être un film où... qui se passe dans le passé. C'est peut-être Dumb and Dumber 2. Mais non, ça a l'air d'être passé dans le passé. Bah, quand tu regardes, il y a un soldat à l'ancienne et deux bonnes sœurs. Ouais, ça fait un peu à l'ancienne, quoi. Il a sa petite casquette, c'est là. C'est pas The Majestic. The Majestic. Non, on dirait pas. Je l'ai bien écrit, hein, ouais. Moi je connais pas les films bien avec ce mec là. On peut play on the big screen. On fait ça? Ah ouais, vas-y. Ouais. Ah bah voilà. C'est plus agréable. Bah, fait random. Random easy snapshot. Deux noms dans un bus. Deux noms dans un bus. Il faut mettre deux N à non. C'est pour ça. Je sais pas. Boom, c'est vrai. C'était quoi? On peut savoir ou pas? On dira pas. C'est Mission Impossible. C'est Mission 3. Le 3, tu crois? Je sais pas, en fait. Le 1? Le 2? Peut-être faut l'écrire en français. Le 4? Non, tout le site est en anglais. Ah ouais? Bah, le premier, t'as essayé? Oui. Mais c'est Impossible Mission, le titre. C'était le premier. Mission Impossible. Ça s'écrit comme ça. Ok, mais vas-y. Parce que c'est Mission 2.impossible. Ah, donc c'était dans le premier, ça. Ok. Très bien. Oh là là, c'est Star Wars ça, non?
Ouais. Et voilà, elle est là la vérité. Bah on est bon à ce jeu à part ce truc impossible. Ça c'est Hunger Games. Ouais, ça a l'air. Ah ouais. Putain, pourtant je l'ai vu. Je l'ai pas vu moi. Moi je l'ai vu. Moi je l'ai pas vu. Je l'ai vu, je me rappelais même pas que c'était ça. Ah bah alors ça, je me demande bien ce que c'est ça. Qu'est-ce que ça peut être? Mars Attack. Non, ça c'est. Nightmare Before Christmas. Ouf. Random Easy. Easy Game. Star Star Wars encore. 49 times. Yeah, it was 49 times. Bon, ça, c'est... Ah, ça c'est. Source Code. Oh bah. On est trop fort. C'est pas possible. Ah, ça c'est. Le premier Mad Max. Non! Mais si, c'est sa voiture. Jamais! C'est pas du tout Mad Max, t'as vu cette meuf? C'est vraiment Mad Max, c'est machin ça. Ça c'est Fast and Furious. Fast and Furious. Peut-être, je sais pas. Ouais, oh là là, mais. Ouais. C'est le niveau facile ça. Ah, parce qu'après on passe au niveau difficile. Parce que jusqu'à présent, pas très dur, ça je sais pas. Oh! Si! C'est Jackie au Royaume des Filles. Oh non! Mais non. Sauf qu'on le trouvera pas. Ah, mais pas. C'est français. Si, c'est, oh, ça. C'est ça. Oh là là là. Alors ça, je me demande ce que c'est. Là, je me demande aussi, ouais. Non, c'est le 2, mais whatever. Enfin, c'est le 5, mais on s'en fout. Ça, c'est Seul au Monde, non? Non, peut-être pas. Non, il c'est le... on dirait Le Petit Prince. Mais c'est pas ça, hein. Non. C'est vrai que ça ferait penser. Un petit toit, un petit bateau, un petit avion. Ça, mais... ça, je connais pas. Connais pas. C'est quoi, ça vous savez avion. Ou pas? Avion. The Beach. The Beach. Je sais pas ce qui s'est marqué dans les tags Beach, et du coup je me suis dit. Non, je sais pas en fait. Je sais pas du tout ce que c'est ça. Attends, mais attends, difficulté, on peut changer? Ah oui, là on est. Non, mais vas-y, mais easy et medium. Mais easy et medium, ouais. Je mets ça? Ouais, ouais. C'est là qu'il y en a le plus. Save and close. Okay. Bah, mais random, medium. Ouais, tout de suite là on va regretter ouais. Tout de suite c'est plus difficile alors ça. Lost the movie. Mais non, c'était pour le truc d'avant. C'est dur cette je nuit. Sais ouais. Est-ce que ça serait pas. Oh, ça... oh là là là, c'est difficile ça. Alors ça je connais pas, il faudrait que cette tournante soit là je pense. Il faudrait jouer avec cette tournante ouais. Ça tu peux passer hein. Bah, pour pas moi. Peut-être que les gens connaissent dans le chat. Bah ils auraient déjà réagi peut-être. Est-ce que tu crois qu'il y a What the Game? Ça existe avec les vidéos. Ah, ça c'est. Mais. C'est le dictateur ça, non? Non. Le dictateur ça? Bah, c'est pas Chaplin de dos là? Oh, il est trop grand. Mais non, ni. En plus, il y a un truc bizarre avec. C'est un truc fantastique. Ah, mais là, non, c'est un truc fantastique. Ah, ouais. C'est pas. Dracula. Je me dis, demande si on fait encore du Bogle. Non, on fait plus du Bogle, désolé. C'est pas la. Mais la bête humaine. Non. What the movie? Qu'est-ce que c'est? Parce que t'as vu, c'est un tableau de Magritte, enfin, tu sais. Il y a un tableau de Magritte comme ça. Ah ouais. Exactement la même. Magritte. Magritte, biopic. Les durs, ils nous laissent pas le temps de les répondre. Les yeux sans visage. Les yeux sans visage. Merde. On l'a vu. C'est pas ça. C'était pas ça. On l'a vu, les yeux sans visage. On l'a vu chez. Et oui, on l'a vu chez Saturnum. C'était lequel, les yeux sans visage? Ah mais oui, mais non, c'était pas ça, les yeux sans visage. Non, non, je crois pas. C'est dur, là. Balance la suite. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais si, c'est ça, c'est Mission Impossible 4. Ouais. Oh, bien joué. Je les connais tous, hein, là, les Missions Impossible, y'a pas de sauce. Ça, c'est quand c'est des gros films de merde, moi, y'a pas de problème. Mars Attack. Vraiment? Ouais. Oh, stylé. Bien joué. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ça, c'est Hunger Games encore! Ah! Non? Oui, voilà, bah oui, parce que j'ai reconnu la meuf là. Faut qu'on arrête de reconnaître les films un peu trop mainstream. Bah, c'est même pas un que j'ai vu, mais j'ai reconnu l'actrice là dans son petit truc. Ah, bien vu. Ah, ça, c'est voilà, ah, ouais. C'est. Non, non, c'est non. Shaun the Sheep. Non, pas sûr. Si, si. Ah, oui, oh, bien joué. Ah, je l'ai vu au ciné, il était dans. On l'a vu ensemble, mec. T'étais là quand on l'a vu voir, bah c'était. Si, c'est au début là. Ah, oh, bah! Ça, c'est Shaun the Sheep. C'était cool, Shaun the Sheep. Ouais, oui, pas c'est mal, cool, Shaun the Sheep, ça se regarde sympa, bien. Sympa. C'est pas dingue, mais. Alors, ça, c'est iRobot. Non, je crois pas. C'est le. Intelligence artificielle. Non, je crois pas non plus. C'est le dernier film là, du mec qui a fait District. Ah, c'est. Tu te rappelles du nom? Ouais. Je crois ouais, que c'est ça. Chappie. Chappie. Non, Chappie avec genre C-H-A. C-H-A de P-I-E. Ouais. I-E à la fin. Ouais, c'est ça.
Rac. J'aurais pas retrouvé le titre, mais... Ouh, alors ça... Ça, ça pourrait être 10 000 films. Ouais, Chappie, ouais, c'était Chappie. Ça. Et alors là... C'est Highlander numéro 10 000. Highlander, vraiment? Non. Non, c'est genre... Highlander 2. C'est un truc off the dead. Recommence. Eh bien, on essaie de retrouver des screens de films. C'est dur, hein. Moi, ouais, je sais pas ce que c'est ça. Ça, je sais pas du tout non Chappie plus. Chappie encore. Chappie. Ouais, mais là, ils ont le délai. Non, mais celui-là, je le connais pas. Attendons un peu. Mais Blade 2. Vraiment? Oh, oh ouais, yeah, bravo, bien joué. Bien joué, Blade 2, c'était ça. Mortal Kombat. Mortal Kombat, non, c'était Blade 2. Bien joué. Capé et très. Ça, par contre, ça pourrait être Mortal Kombat. Donjon et Dragon. Non. Qu'est-ce que c'est? Mortal Kombat. Non, non, c'est clairement pas Mortal Kombat. Qu'est-ce que c'est que ça? Cœur de Dragon. Ah, mais... Non, comment tu... Le règne du feu. Le règne du feu. Non, là, t'as écrit le règne de manière bizarre, non? Bah non. C'est comme ça, le règne du feu. C'est pas EI? EI? Ah, non, ça n'existe pas. Ça a chargé, hein, ceci dit. C'est un vampire, ça. Non, mais le coordonnateur de Retour en Afrique m'a dit que c'était pas juste, tu vois, donc c'est pas possible. Cœur de Dragon, mais j'ai déjà essayé, mais ça marche pas. Pourtant, c'était pas mal, Cœur de Dragon. Moi, je trouve que ça donnait envie. Qu'est-ce que c'est? Il y a pas des 1000 jeux avec des dragons. 10 000 jeux? C'est The Hobbit. Non, il a pas cette gueule-là dans The Hobbit. Moi, je dis que c'est le règne du feu. Mais ça suffit maintenant. Mais The Reign of Fire. Bon, passe. The Reign of Fire. Non, qu'est-ce que ça peut bien être? Vous avez pas d'idée? Troll. Troll de Troie. L'adaptation au film. Non. L'Enfeust. L'Enfeust. Non. C'est étonnant qu'il l'ait toujours pas fait d'ailleurs. Je connais pas du tout ce film. Ça demande trop de budget. Pourtant il a l'air super bien. Qu'est-ce que c'est? Eragon. C'est pas un film, si. Yeah, pardon. C'est pas, Ah, c'est peut-être le truc de merde là. Là, tu vois, le pote de Tolkien, il écrivait quoi comme livre encore à la con là. Ah, c'est pas les Royaumes du Nord, c'est... Narnia. Narnia, ouais, c'est pas Narnia. Non. Par contre, c'est peut-être... Zut, je l'avais un truc en tête, mais je ne m'en rappelle plus maintenant. Mais c'est toutes ces conneries de Eragon, mes couilles, là. Eragon. Percy Jackson, dis-moi. Percy Jackson, mais c'est peut-être ça, ouais. Non, non. Alors, Percy Jackson, ça avait l'air d'être mauvais, ça. Il est habillé en chevalier, hein, le bonhomme. Oui, même. Ça fait. Comment s'appelle le truc dans la série Marvel où ils vont c'est dans l'espace? C'est une espèce de groupe de héros. Je l'ai pas vu. Non, non, c'est un autre. Toi, tu l'as le vu. Truc avec les personnages avec de toutes les couleurs possibles. Guardians of the Galaxy. Guardians of the Galaxy. Ah, non, c'est pas ça du tout. Non, mais vas-y, on se passe. Ah non, je l'ai vu. Je sais que c'est pas ça. Non, c'est sûr. Ah oui, non, c'était sûr, c'était pas... Si c'est un film Eragon, ok, c'est tout nul, mais quand même... Ah, c'est un film Eragon. Ah, mais non, mais c'est pas ça. Mais y a pas, on peut pas savoir ce que c'est, hein. Non, ça, c'est dommage, ça, en plus, dommage, on n'a pas la réponse. Bon, eh bien, passons. Mm-hmm. Passons, on vas-y, pas. Vas-y, passe. Ah, bah ça, c'est Astérix. Ça, et les 12 travaux, en fait. Travaux d'Astérix. Ça, en fait, la BD, on... Eragon, on connaît ça. Ça, c'est une lampe dans la nuit. Alors, ça... Qu'est-ce que c'est? Sixième sens. Ah bon, putain. Mais c'est pas possible. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, moi. Et voilà, voilà, tac. Alors qu'est-ce ça... que c'est? Ouh là là, le ruban blanc. Vraiment? Ça pourrait, ça pourrait, mais... Non. Ah, c'est que en anglais, la réponse. Bah, non, puisque on a mis le sixième sens. Non, en fait, en dessous... Tu vois, il y a des petits drapeaux et ça dépend, ça correspond aux langues dans lesquelles on peut mettre la réponse. Alors, White Ribbon, essaye. Mais je pense pas que ce soit ça quand même. Enfin, ça pourrait passer dans cette France dans, A, dis-moi. Dans la variante, t'as mis plus ou moins The White Ribbon. Frances A. Ah, Frances A. France. Mais non, c'est pas en noir et blanc. C'est ça, France A. Oh. Bien joué. Bravo. Connais pas Lucie, c'est pas en noir et blanc? Non, c'est Lucie pas en noir et blanc. Avec Lucie avec Machine là? Je sais pas, non, j'ai pas vu. Noir blanc, non. C'est un coup de... Ça, c'est mon cul. Ah, mais non, c'est Oblivion, ça! Non. C'est... Oh, ça ressemble à fond. C'est vrai c'était que ça le... pourrait être Oblivion, ouais, carrément. C'est vrai que c'est étonnant que ça le soit pas, même. C'est pas genre le Seigneur des Anneaux ou le Hobbit. Ico, le film! C'est vrai que ça fait très Ico. Hein. Lord of the Rings. Ça ressemble vraiment à Oblivion. Hein.
que ça peut être que cette merde là. Elle a un flingue ou il a un flingue, il ça a un flingue. Je vois plus un petit chevalier, on dirait. Lucie. Non, ouais. C'était tout quoi. Avalon, Avalon, c'est ça le nom. Avalon, pas Oblivion, c'est ça, bonjour, bien voilà, mais c'était bien ça. Et du coup, ouais. Mais oui, non, mais forcément. Avalon. La classe américaine. La classe américaine. Ce serait tellement drôle que ça marche. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ? Il y a un mec avec un cowboy. Ah, ça me fait vraiment penser. Merde. Un film où les mecs sont dans un parc à thème avec des cowboys. Et ils s'habillent en cowboy. Et en fait, tous les figurants sont des robots. Ah non, j'ai pas vu ça. Quoi ? Et c'est très nul. Ça doit être ça, je crois. C'est là, ça sortit la même année que Soleil Vert. Soleil. Oh wow, le détail. Mais c'est parce que c'est un autre film de science-fiction un peu naze de la même année. Mais. Oh, je sais plus du tout le nom. Je sais plus. Oh là là. C'est pas un parc à thème. Mais c'est en fait le concept, c'est que c'est dans le futur. Ouais. C'est une sorte de parc d'attraction géant dans lequel tu choisis entre l'ambiance western, l'ambiance Moyen Âge ou l'ambiance romantique. Et en fait, t'es immergé dans un monde où t'as l'impression de vivre dedans pendant une semaine en fait. Okay. Mais sauf qu'il y a plein de PNJ qui sont des robots. Je crois que ça vient de là, mais je suis pas sûr parce que ça peut être n'importe quel film de western aussi, mais. Ça me rappelle vraiment fort ce truc. Passe peut-être. Ouais, passe là, je trouverai pas. Ah, si quelqu'un se rappelle. Ah là, l'explicit consent. Ah, il faut en account. Compte, on s'en fout. On allez, s'en suivant. Fout, les. Ciao. Oh, ça, c'est pas The Fall ? Non, je crois pas, mais peut-être. Mais c'est pas le truc, l'école ouais. Des poignards volants ? Ah, non, c'est pas l'école, c'est le secret. Le secret des poignards volants ? Non. C'est pas l'école, tu sais ? Non. Les poignards volants ? Je connais pas ce film que tu décris, mais ils ont fait une parodie de ça dans American Dad. Ah merde. Poignards volants ? Non. C'est peut-être l'autre film qu'on a vu récemment, Hero là. Hero, ouais. C'était ça qu'on avait vu récemment ? Non, c'est pas ça qu'on a vu, c'est le truc et dragon, ça. Tigre et dragon. Tigre et dragon, mais je crois pas que c'est ça, non. Par contre. C'est au pluriel. Sûr que non. C'est pas au pluriel, tigre et dragon. Peut-être non, pas, mais en fait. C'est pas mais ça. C'est pas ça, non, c'est pas ça. Je crois que c'est l'école des poignards volants, hein. Enfin c'est en tout cas le secret des poignards volants, ou je sais pas, mais c'est le truc des poignards volants, moi ça m'y fait trop penser. Flying. Mais il y a pas, en fait il y a en français. Non, il y a pas en français, il y a en italien. C'est. Ah, c'est. Non, c'est du français, c'est ouais. Du français. Ouais. Mais attends, regarde, je vais rechercher le secret des poignards volants. Ah, c'est quoi alors ce truc ? C'est quoi cette merde ? C'est. Le secret du bonheur volant, tu vois, c'est ça. Très bizarre, mais alors c'est pas ça, mais c'est juste qu'il y a une scène très très. Ah, mais tu vois, c'est la scène où elle a des. On la voit là, ouais, mais c'est pas ça en fait. Elle a des couleurs. Elle a des. Alors qu'est-ce que c'est ouais, mon cul. Pff, mon cul. C'est le même mec, il a fait quoi ? Il a fait le secret des poignards volants, il a fait Héros. Je vais te dire. Il a dû faire d'autres films. Alors. Il a fait Coming Home, Heroes, The Flower of War, le secret des poignards volants, Vivre. Il a fait un film qui s'appelle Vivre. Bon, laissons tomber, c'est, je sais ouais, pas. Je connais pas, un Inconnu au bataille. Alors, Darjeeling Limited. Ah je crois pas. Jeline. C'est comme ça que c'est écrit comme ça, attends. Avec un G à Darjeeling. Ah non, peut-être pas, il l'a pas écrit avec un G. Darjeeling, c'est avec. T'as écrit juste, t'as écrit. C'est à bord, ouais, The Darjeeling Limited. Pense pas. Mais non, je crois pas que ce soit ça. Non, moi non plus. Bon, allons-y, elle a l'air plus japonaise que indienne. Life of Pi. Life of Pi. Propose. Ouais. Non. Non, c'est pas ça non plus. Deux os. Bah vas-y, impasse. C'est quoi ça ? Alien 2. Alien 2 ? Non, c'est Aliens avec le reste en fait. Non. C'est pas ça, de toute façon. Alien. Ça pourrait, hein, quand ils vont visiter. C'est pas. Comment s'appelle ce film où ils vont sous l'eau et qu'il y a une énorme sphère ? Sphère. C'est ça ? C'est pas ça. Mais c'est le nom du film. Waterworld. Non, c'est pas Waterworld, ils vont pas sous l'eau dans Waterworld. Mais... Il y a Abyss. Captain Mardi qu'il faut qu'on voit Pluto Nash. Pluto Nash ? Attends, sinon juste que j'aime bien le passé quand on voit le film, mais Pluto Nash. C'est pas ça. Pluto Nash. Okay. Désolé, c'est pas ça. Abyss, c'est pas Abyss non plus. Non, c'est pas Abyss. The Abyss. Sachant que là, on peut pas mettre le titre en français, quoique. Non, on peut mettre le titre en japonais si on veut, par contre. Anthony Kamisama. Okay, par contre, attends, il faut que tu recliques sur le truc. Ouais. On sait pas trop. Pacific Rim. Non. Ah non, 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 je l'ai vu, c'est de la grosse merde, mais il y a pas ça dedans. Moi, ça me dit rien. Prometheus, peut-être. Ah, peut-être bien. Ouais. Prometheus. Avec un T-H-E-U-S.
T-H-O-U-S. Non, E-U-S. Ouais, non, ce n'est pas ça. Se faire, ouais. Mais ce n'est pas se faire, bien que ça aurait vraiment pu se faire, je trouve. Se faire. C'est peut-être pas sous l'eau, hein. C'est toujours une caverne, mais un truc. Faire. Matrix. Non, c'est pas Matrix. Matrix. Avec un C. Non, mais c'est pas Matrix, c'est sûr que non. Matrix. Non, on sait pas non plus, on est mauvais. Balance à la suite, hein. C'est pas grave, hein. On peut pas voir tous les films, hein. Ah. Un truc avec Hollywood détruit. GTA 5 2012. Je sais pas, je l'ai pas vu, mais. Hollywood détruit. Ah, il disait Moon peut-être pour l'autre. Mais... Moon ? Non, l'autre. Non, oui, je sais, mais je fais la blague à chaque fois, ok. C'est peut-être le truc. Alors, il a fait quoi après ? The Day After Tomorrow ? Je crois pas, parce que dans le Game of. Il fait tout le temps dégueu, il y a pas de moment désertique. Dans The Day After Tomorrow, il fait soit très froid, soit dégueu. Moi, je les ai pas vus ces films. Oh, ça se regarde. Non, ça, je sais pas. Je sais pas non plus. Hollywood détruit. Il n'y a pas le H. De quoi ? On dirait Hollywood, mais San Andreas. Ben ouais. Mais San Andreas, c'est un World film. World. C'est un film. Ah, c'est World. Un film. Allez, apprends à écrire. Bon, c'est Ghost. World War Z. Non. Mais c'est San Andreas, c'est un film qui est sorti dernièrement. Ah ouais ? Ouais. Wow ! Bien tué 2015, ouais. Bien joué. Bien joué, bien joué. Capé. Ouais. Alors, ça doit s'animer. Les Simpsons, le film. Non. C'est pas le film où il y avait... Dame du 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 du... Oh, c'est ça. Je vous emmerde, ok. Bien joué. Je l'ai pas vu, moi, donc bon. C'est quoi ça, oh là là. C'est... Ah, mais c'est cet acteur à droite. C'est James. Non. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous connaissez ça? Je ne sais pas. Qu'est-ce alors, que c'est? Je n'ai aucune foutue idée de ce que c'est. Pourquoi ça tourne mais pas là? Qu'est-ce qu'il fait quand on a besoin de lui? Bah ouais, chaque fois qu'on a besoin de lui, il nous fout des fous. En même temps, c'est pas lui qui aurait trouvé son Andreas, ça je peux t'assurer. Non, ça c'est vrai, oui. Vas-y, dégage. On dégage. Allez, attends, il faut que les gens peut-être puissent répondre. Un film qui fait boum. C'est le film qui fait boum. Boum. Kaboum. Kaboum. Il était. Non. Un film avec deux personnes qui discutent. The Interview. C'est drôle, ça. Non, ce n'est pas ça, malheureusement. Moi, ouais, j'ai pas vu ce film. Cette image ne me dit absolument rien. The Chair. The Chair. People talking in sitting people there. People talking. People talking. Non. The Chat. Bon, on ne sait pas. Personne n'a l'air de savoir. J'aurais dit. Ah, des mineurs. Ah, mais alors, c'est. En anglais, c'est. Merde. Des mineurs, je me rappelle plus. Non. Film. Sinon, on peut passer au suivant. Hein. Attends. C'est. Ah, The Heart Locker. Donc, The. Attends, blablabla. Comment t'écris Heart Locker? J'ai retrouvé de mémoire en fait le titre. C'est. Allez, donnez-moi le titre. Mais clique sur un lien. Oui, sur Allociné, il va te le dire, le nom du film en original. The Hurt, alors H-U-R-T et Locker comme un déclencheur quoi. Comme ça ? Ouais, voilà. Oh, ouais, pluriel ? Non, normal. Non, c'est pas ça. On a rien trouvé. Ok. On a rien trouvé. The Hurt Locker, bravo, ouais. Bob. Ah, ça c'est le... Cars ! Non, c'est le film... Ah, c'est ça. C'est viré. Oh là là, ça ressemble pas à Cars. Bah, c'est Cars. Si, ça ressemble à Cars. Hein. Ah, mais alors, j'aurais pas dit ça. C'est pas un dessin animé. C'est Cars 2. Non, mais on dirait une infographie, enfin, tu sais. Ah, hyper bizarre. C'est vraiment ça comme ça dans le film ? Ça doit être un moment du film bizarre, je sais pas, j'ai pas vu le 2, je peux pas voir le 2. Moi j'ai eu l'impression que c'était, tu sais, le film qu'ils ont fait après Matrix, les Zouz là. Ah, enfin, Speed. Machin là, Speed Racer, ou je sais Speed pas Racer, quoi, ouais. Charlie Chaplin. Ah non. Oh là là. C'est un film de cow-boy, visiblement. Freaks. Ah, mais on aurait Freaks. Non, c'est pas Freaks du tout, mais on le met quand même pour t'humilier. Qu'est-ce que c'est? Ouais, ce film. Il a une tête particulière. Il a une bonne tête, ouais, une bonne tête. De Lucky Luke, le film. Ah non. Le voleur de... Non, bicyclette. C'est pas le voleur de bicyclette du tout. Et on peut pas le mettre en anglais. Il faut en plus, en anglais. Ouais, the bicycle thief. C'est ça, the bicycle thief. Oh merde, mais pourquoi? Je sais pas pourquoi ça fait ça, j'ai fait show. Attends. Ah oh, bah c'est plus le même. Ah bah. Ça, ça ressemble à... Ah, avec ce petit... Les 400 coups. Les 400 coups. Non, je crois pas, mais... Les deux enfants qui se font pourchasser par un mec. Oui, c'est ça. La nuit du chasseur. La nuit du chasseur.
Attends. C'est pas les 400 coups. L'anneau du chasseur. Mais ça ressemble à la. Ouais. Je sais pas si c'est ça, mais. Non, c'est pas ça. Mais c'est... il a le bon âge. Oui, c'est le bon genre d'ambiance, je trouve, avec les contrastes assez forts. Showa the movie. Oh non, mais ça c'est pas très. Ah bah bah bah. Ah non, c'est chez les cowboys, ouais. Ça je connais pas alors. C'est vrai que ça aurait pu être la nuit du chasseur, mais ça ne l'est pas. Ouais. Vas-y, passe. Hein. Je pense. Bon bah ok. Ah, mais ça c'était dit. Ted. Ted. Oui, bravo. Presque. Bravo. Alors ça. Alors, putain ça... de merde. Vous connaissez? Non, alors pas du pendant tout. Pendant un instant, j'ai cru que ça allait être. La nuit du chasseur. Mais pendant l'hiver. Mais il y a une biche dans une maison, c'est quand même pas rien. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une biche, t'avais pas vu la biche. Il y a une biche dans Eraserhead. Un instant, je. C'est le début de Nymphomaniac, quand mais... le bébé se jette par la fenêtre. C'est pas Charlie, ah non. C'est pas du tout Nymphomaniac, ça, c'est. C'est pas Nymphomaniac Non. C'est Antichrist. Ah, mais oui. Mais c'est pas. C'est Antichrist, mais c'est pas Antichrist, je pense. Mais ils sont non, non, c'est pas en noir et blanc. Si, c'est en noir et blanc. Ah ouais? Ouais. Oh, voilà! C'est ça! Bah! C'est ça, c'est Antichrist. Et il y a une biche? Je me suis dit, mais je me rappelais pas qu'il y avait une biche. Je sais que le début est comme ça, mais c'est marrant, quoi. Fugushima. Ouais, c'est ça, Fugushima, ouais. C'est Antichrist. Je me rappelais pas qu'il y avait ce truc. Ah, les gendarmes et les extraterrestres! Oh là là! Quel film de merde! Ouais, alors là, bravo. Allez, hein, les gendarmes et les extraterrestres. Ou c'est. Non, c'est ça, bah oui. C'est pas les gendarmettes, parce que les gendarmettes, c'est pas justement qu'elles sont des extraterrestres depuis le début ou une connerie comme ça. Non, non, je crois pas. Je sais plus. Alors ça. Ah, c'est avec Belmondo. Le magnifique. Ouais. Non. Antichrist, c'est Antichrist, mais c'est quasi ça. Mon cul. Avec Belmondo, je connais pas les films avec Belmondo, il y en a 10 milliards. Ouais, il y en a trop. Non plus, c'est pas très Charlie. Bébel. C'est quoi ce film? Tous ces films-là, moi. Bon, je peux prendre le chocolat, moi. C'est la dalle. Bon, non, faudra peut-être bientôt s'arrêter, parce qu'avec lui, il est déjà ouais, là, ouais, encore un ou deux, et puis on va s'arrêter. Encore un ou deux, et puis on s'arrête. Deux ou trois, quatre, ou cinq. Quelqu'un sait? Moi je fais aucune idée. Je sais pas. Ça a l'air difficile. Hein. Moi je sais pas. Il fait beaucoup de navets, Belmondo. Bah ouais. Bah vas-y, passe. Bon bah ça c'est. Moi à part Pierre le Clown. Ah bah. Ça c'est pas Ghost in the Shell, non. Non. Si. Oh là là. Je vous rappelais pas de ça. Mais à moi le fait de la plongée, c'est le seul truc parce que graphiquement ça me rappelle pas du tout Ghost in the Shell, mais ah, okay. Je me rappelle pas ce détail. Oh là là, ça c'est un truc sur un fou furieux. Hein. The Maniac. Je sais pas si ce film existe. Hein. Je crois que oui en plus. Non, je crois que c'est juste Maniac. Je sais pas. Je ne sais pas ce que ça peut être. Non plus. Comment se fait ce film où il y a Robin Williams qui devient pote avec un mec qui lave le sol dans son école. Cendrillon. Mais non. Dark Shadows. Ça, mais c'est pas Dark Shadows. Voilà. Ouais, ça serait mal quand même. Quoi, mais Robin Williams qui vient. Mais oui, c'est un des films connus avec Robin Williams, c'est des premiers où il y a un autre acteur qui est devenu connu après et qui joue un genre. En fait, donc lui il est psy et il y a un mec qui est un peu un loubard et qui en fait est super intelligent. Il est assez connu ce film. Ah oui, après il devient pote avec lui. C'est pas Joe Hunter ou Joe Sparrow, c'est pas le nom du mec. Rencontre avec Joe Black. Non, ça c'est de la merde d'ailleurs. Bon bah passe. Le chat sait pas. Personne sait, on dirait. Allez hop, c'est Rose. Ah là là, on s'est rendu. On a rien trouvé. Bon. Les indestructibles. Ouais, on dirait les couleurs. C'était le générique. Ouais, c'est ça. C'était le générique. Ouais. Ouh. La femme de 50 pieds de haut. Non, non, non. Will Hunting, ah. Will Hunting, c'est ça que je pensais, mais c'était peut-être pas ça. Hein.
C'est Matt Damon qui joue le gosse. Exact. Oh, merci de savoir. Merci, merci. Matt Damon, alors ça. J'ai dit Joe Hunter, mais quel crétin, c'est Will Hunting. Joe Hunter, j'avoue, putain, c'est stylé. Oh là 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 là. Alors celui-là, c'est difficile. Ouais, non, ça je sais pas, si c'est pas la femme de 50 pieds de haut. Mais non, mais c'est une espèce d'effet de transparence de gens qui dansent sur une ville. Ah oui, ok. Alors là. J'ai peut-être déjà vu ça en plus, hein, mais ça me dit vaguement quelque ça chose. Ça se passe à Paris, on dirait, c'est écrit en français derrière. Ah ouais? Sans souci là, tu vois. Ah, un américain à Paris, mais non, c'est aux couleurs. Ah non, non là c'est marqué Wonderland. Attends, je le mets quand même, mais. Ouais, c'est sûr que non. C'est pas ça, hein, non, non. Ah, je sais pas, je sais pas. Je sais pas, allez. Encore 7. King Kong, bah non. Ça c'est Aliens. Ah ouais? Mais si, c'est trop cette actrice super cool là. Des pâtés de sable. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Star Wars. Satar Vars. Non, désolé, mais j'ai mal écrit. Swan, et les gens répondent maintenant, tu vois, fallait pas passer tout si vite. Swan, mais oui, mais... Oh. Ça, je sais pas. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Un film avec des mecs qui font des châteaux de sable. Pff. Super histoire, quoi. Vous avez une idée sur le chat? Cul de sac. Cul de chat. Ah, j'avais pas vu que c'était. Cul de sac. Non. Bouf, alors, Monsieur Hulot en vacances. Non, c'était pas. C'est le jour de fête. Jour de fête. Bah, y'a pas de plage un jour de fête. Y'a pas de plage. Mais y'en a pas en vacances. C'est Monsieur pas en vacances. Monsieur Hulot. Non. Fourmis à la plage. Non, bon, on le passe, ça va, on a compris. Allez, il est chiant. Ah! Ça, ça existe, ça. C'est qui dans le fond? C'est vraiment un mec dans le fond. C'est pas... J'ai vu ce film. Moi aussi, j'ai vu ce film. Ah, oui, qu'est-ce c'est que récent. C'est que cette merde? C'est... Ah, je l'ai vu au cinéma et j'ai trouvé ça moyen. C'est avec un complot et deux personnes qui tombent amoureuses, mais ils n'ont pas le droit de tomber amoureuses parce que sinon... Ça... Il y a des mecs qui contrôlent le destin, en quelque sorte. Et il y a certaines personnes qui... Enfin, ils empêchent certaines actions d'arriver. Et là, notamment, il y a deux personnes qui tombent amoureuses. Et ces personnes les empêchent de tomber amoureux parce que, selon le grand plan, ils sont pas censés le faire. Et du coup, c'est un peu un film bizarre, mais... Je suis quasi sûr que c'est ça. Parce que cet acteur, là, derrière, qui lit le journal... C'est Leonardo DiCaprio à gauche. Bah, on pourrait croire, il a juste hein. Une tête ronde. C'est pas sûr c'est que ce soit lui. Film de merde. Non, c'est pas film de merde, bizarrement. Arg. Il lui ressemble, ouais, il lui ressemble, mais à qui ça pourrait être? The Complot. J'ai l'impression que l'actrice de droite, c'est une actrice de cassette un peu aujourd'hui, et du coup, ça pourrait pas être les. Mon avis, c'est un film récent, mais. Oui, oui, mais c'est récent, hein, clairement, ça se voit. Hein. Mais je vois, je crois que je vois en plus le pitch que tu me dis, ça me parle, mais. The Great Film. C'est pas un truc qui s'appelait genre. Le bureau ou un truc comme ça, genre. Le juste... bureau. Un truc style juste le. Le bureau. Un nom comme ça, tu vois. Ça doit être ça. Hein, genre l'office ou je sais plus. Enfin, je sais plus. The Office, la non, série. Non, la série. Non, non, non. Mais tu sais, un nom comme ça, mais c'est genre, je sais pas. Ah, je sais plus. Ah, j'avais totalement zappé ce film. Je crois que c'est ça. Après, je suis pas sûr. Hein. Mais ça ressemble à ce genre de personnage avec ce genre de chapeau et le mec derrière me dit vraiment quelque chose avec son journal. On ne saura jamais. Okay. À mon avis, si on fait clic droit de propriété, il y aura le nom de l'image. Black Book. Black. Bah, c'est une série. Bah, pas du tout. Black Book. Black c'est Book. Pas ça. Mais non, c'est une série Black Book. Ouais. C'est une chouette série anglaise, ça, c'est pas trop le même genre. Il y a un livre, un film qui s'appelle comme ça. Peut-être. On fait allez, la balance, ouais. Encore 7. Non, mais t'as déjà 17. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça a l'air top. On dirait. Oh là oui, là. On dirait Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, mais c'est peut-être pas elle. Brigitte Bardot. Ça c'est vraiment film des années 60-70. Paul Verhoeven. Ah, peut-être. C'est un film genre moyenâgeux. Avec Snapshot of the Day. Genre sexy moyenâgeux. Dénudé à l'arrière d'une wagon.
À l'arrière-pavillon. Sale, dénudé, mais, sale. On dirait que lui a une chemise, hein, donc on dirait que c'est pas le Moyen-Âge. Moi je dirais que c'est genre. Non, ça peut être une chemise du Moyen-Âge. Hein. Moi je verrais. Quoique lui il a vraiment une tête. Un film de Russ Meyer avec Manny. Meilleure série anglaise Black Box. Ah ben oui, oui, moi je trouve ça très bien. J'aime beaucoup. J'ai tout vu. Le dernier épisode m'a fait particulièrement rire, je le trouve vraiment excellent. L'as-tu vu? Oui, j'ai vu. Xena, non. Oh là là, Xena. Ah ouais. Wild Gals on of the Naked West. Non. J'y crois pas, mais on essaye. Ça serait trop beau. Non. Mais c'était une bonne idée. Bon, bien bah, le chat n'a pas l'air de savoir non plus. Allez, encore deux. Ça te va, deux? Vas-y. Ceci. Ah, c'est machine. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est pas un Dracula. Dracula. Bob le Flambeur dit ça existe. Ça va faire peur. Qu'est-ce que c'est? Je connais pas non plus. Hein. J'ai besoin de connaître cette actrice. L'actrice est connue, ouais. Et lui, il ressemble à cet acteur qui fait peur. Je vois duquel tu parles, mais c'est pas lui. Qui joue aussi William dans Dafoe. Les... Ouais, voilà, William Dafoe. Pas William Dafoe du tout, non. Pourquoi? Enfin, quoi que... Ça pourrait. En étant très jeune... Ça pourrait être William Dafoe très jeune. C'est hein. Vrai que ça pourrait être William Dafoe très jeune, ouais. Mais son nez... Ah, je sais pas. C'est... Mais ouais, c'est peut-être bien. Ouais. Ça pourrait être William Dafoe très jeune. Alors vas-y, cherche Western, oui, c'est William Dafoe. Alors, William Dafoe, c'est parti. William Dafoe, Western. Début de sa carrière. Dans la paille. Est-ce que c'est vraiment Western? Bah non. Moi je trouve que ça fait un peu western, la coiffure de la fille, la ça paille. Ça fait un peu western quand même, ouais, c'est vrai. William Dafoe western. Il est hors, alors. Fandango, ça existe ça hein? Fandango ah. La porte du paradis. La porte du paradis, je sais pas. Mais bon, si on commence à chercher les filmos des acteurs, c'est ouais, plus ça vraiment être drôle. Un peu. Mais c'est peut-être même bon, pas lui. Allez, un dernier. Là, on trouve dernier, pas. Là, dernier screenshot. C'est le dernier. Oh là là. Il y a un mec qui marche Son vers un autre. Son God Motel. C'est peut-être le remake de Psycho, non? Ouais, jamais, non. Qu'est-ce non, que non, c'est non. Que ça? Mais non, en fait, pas du tout. Son God Motel. Oh, le mec, on dirait la mort là. On dirait la mort. Rencontre avec Joe Black. Non, c'est pas ça, non. Ça se passe que dans des hôtels de luxe et des énormes maisons de gens très riches. Ouais, je me rappelle pas assez pour dire. C'est l'histoire d'un mec très riche qui, en fait, au fond de son cœur, il était gentil. C'est vraiment de la merde ce film. Et sa fille très riche sort avec un mec qui, en fait, n'est pas si riche, mais il est bon ou dans bon, son le cœur. Le joueur dit Vampires, mais je pense que c'était pour le film d'avant. Ah non! Stylé, c'était ça! Vampires, bien joué! Allez, un dernier! C'est le film de merde de Carpenter! Ah, bien joué en tout cas! Ah non, c'est le dernier! Allez, un dernier! Oh, allez, un dernier! Ultime. Allez, un dernier! Vampire! Cars! Attends, ils m'ont remis pour de vrai le même! Et ouais, c'était le dernier! Alors, c'est quoi cette merde, Godzilla? Non. Sphère. Abyss. Qu'est-ce que c'est que ça? Ghostbusters! Le nouveau film. Pixels! Non, c'est vrai que ça aurait pu être Ghostbusters avec son truc dans le dos, là, mais ouais, c'est pas mais ça, non. Non, c'est pas ça. C'est pas l'homme fourmi, non, je sais pas. Ah zut, on n'aurait pas dû en mettre un dernier du eh coup. Oui, bah oui, voilà, on trouve vraiment faire bon bah. Encore ouais, un dernier, non. Encore un dernier. Eh oui, forcément, mais oh là là. Ça a l'air récent hein, quand tu vois les effets spéciaux. Ah oui, non, mais c'est récent. Flubber. Ça. Mais non. Flubber. C'est Flubber d'ailleurs. C'est Flubber avec U, oui. Donc c'est pas Flubber. Substance verte inconnue. Attention, substance verte inconnue. The Blob. C'est pas ça d'ailleurs, c'est pas The Blob. Je le savais, avant de l'écrire. Bon bah, voilà. On s'arrête là du coup. Ah oui, hein. Sur cet échec, tant pis. La semaine prochaine, on rejouera peut-être si on a fini Evil Within plus tôt. Exact. Ou un Massive Bogle. C'est assez parent, mine de rien. Ça va, Laurie? Oui, j'attends Emilien.
Ok. Bon, alors on vous dit au revoir, on met un peu de musique. Ouais. À la prochaine, les petits amis. Et à la semaine proche. Merci d'avoir été là, vous êtes nos préférés. Thank comme you all toujours. And see you next week. Slime, attends, slime. The slime. Non, c'est pas ça. Bah, désolé, Fugiman, ce n'est pas là. Bye. Allez. Bye. Bisous. Big bisous bien baveux.